Salut à tous et bienvenue sur Magic Arena FR. Comment ça va, fou? Écoute, ça va très très bien et toi? Ça va très très bien après un petit souci technique. On était là plus qu'à l'heure, on était là en avance, les amis. Vous n'allez pas le croire, mais si, bonjour à On YouTube devenait dingue. d'ailleurs. On devenait dingue parce qu'en fait, on était là en mode mais putain, le logiciel lance pas le stream. Alors que ça nous l'a déjà fait, on s'en rend compte au bout de 5 minutes, puisque forcément, on attend les 5 minutes d'attente avant de lancer, etc. Son ok, super, merci Lancelot. Des bisous à toi, salut à toi. Ah, super. On se dit. Du coup, c'est le logiciel, on le redémarre. Non, c'est la clé de stream, on la change. Non, c'est pas ça. On se dit, mais putain, mais qu'est-ce qui se passe? Et là, Val a une idée de génie et se dit, mais en fait, on n'a pas enlevé le délai de samedi. Donc, du coup, il y avait encore 10 minutes de délai. C'est pour ça qu'il n'y avait aucun retour. Donc, on était en train de devenir fou. Donc, s'il y a des coupures d'ici 5 minutes, c'est parce que le stream qu'on a envoyé dans le passé arrive dans notre futur, du coup, enfin, dans le futur, du coup, dans notre présent. Et du coup, il y Non, aura ce une serait fou. interférence magique. Et du coup, ça voudra dire que Terminator va débarquer chez moi. Et que Skynet aura vaincu. Mais c'est pas grave ça, on savait que Skynet vaincrait de toute façon. Alors, chose curieuse ce soir, c'est que j'hésite entre trois decks, mais un Rosmoi, c'est avec deux decks. Donc, à le son de Val un peu bas, je peux pas l'augmenter. J'ai baissé le mien encore un peu, je peux encore Ouais, le baisse-toi une baisser. chouille et eux, ils montreront le son. Je peux encore me baisser si vous voulez. Donc, j'hésite entre trois decks, mais je ne peux en prendre que deux pour le Rosmoi. Donc, je vais en prendre deux. Pour les éliminer en tout cas, entre guillemets. Ouais, j'ai vu la liste Azorius, Lancelot, mais c'est un truc un peu tryharder et là j'ai pas le temps de tryhard pour le GP Lyon, Je pense que malheureusement. pour maîtriser cette liste, Lancelot, faut l'avoir créée, vraiment. Ouais. Non, Lancelot, pas de pôle, merci. Je vais jouer Golgari Adventure et Bantramp pour tester. Sauf que je pense que mon choix sera Sultai Yoko. Et vous allez me dire, mais pourquoi pas jouer Sultai Yoko? Parce que je veux voir si un de ces deux decks va un peu me faire vibrer, va vraiment me plaire niveau gameplay. Chavirer ton Elle va cœur. faire chavirer mon cœur. Et si par contre j'ai pas un immense plaisir à jouer un des deux decks, je dois choisir ma decklist, la valider demain maximum. Du coup, je partirai sur Sultai Yoko, qui est du coup le meilleur deck, parce que comme je disais à Val tout à l'heure, la dernière fois, par un manque de moyens et décision de pas jouer le meilleur deck, l'année dernière au GP Lille, j'avais pas joué Golgari, alors que pourtant on sait que j'adore ça. Mais comme c'est le meilleur deck, ça me plaisait pas, etc., je voulais jouer autre chose. J'ai joué Selenia, Boros Angel, deck très cool, et je me disais, ouais, j'ai une chance, et j'ai pris 3 Golgari d'affilée, j'ai fait 0-3. Ouais, No match, ils quoi. viennent Donc, de laisser aucune chance au deck et à là, l'époque. à l'époque encore, il y avait quand même match potentiellement, et encore qu'il n'y avait pas eu de match. Alors maintenant, si jamais je me ramène avec un deck dont je suis pas sûr ou quoi, et que je me prends que des Oko, en fait, je vais me faire dégager en 2-2. Donc ça va pas être fun, quoi. Donc voilà, je vais tester deux decks et au pire ce sera Sultai Yoko, mais de toute façon c'est mes couleurs préférées donc voilà, je serai pas très chagrin. Je vais vous montrer du coup les deux decklists de Val ainsi que mes deux decklists. Et puis ensuite on fera le petit vote, puis le petit rossement Yes. qui commencera. Alors, passons à ce petit deck Val, lequel veux-tu présenter en premier? Bah, le deck que je compte jouer, c'est le deck un petit Allez. peu que j'ai travaillé qui s'appelle 4 couleurs food. Ouais. 4 couleurs foot du coup et qui hop, je m'enlise avec Garouk voilà. Si vous l'avez vu samedi en présentation c'est essentiellement le même, il y a eu des petites modifs de Val mais en gros ça Ouais. reste pas mal C'est le la même même deck. chaîne, mais le deck est un peu plus travaillé. Il y a moins de one slot. On a vu les cartes qui étaient impactantes et celles qui l'étaient moins. Et on a un petit peu recadré tout ça. J'ai touché une chouille à la mana base, même si elle était déjà très satisfaisante. Et du coup, voilà, c'est un 4 couleurs Oko. Je vais le présenter un petit peu. C'est Witch exactement les quatre couleurs. Vas-y, dis-moi ce que tu fais, puis je montrerai les cartes et je mimerai Yes. comme d'habitude. En gros, pourquoi jouer 4 couleurs Oko? C'est parce que dans les miroirs de deck Oko, on a vu que la version Sultai était extrêmement supérieure. J'ai beaucoup essayé de trouver le meilleur Sultai, de trouver la meilleure version. Force est de constater que j'ai échoué et que le grand vainqueur, c'est Crocaze. Il a démocratisé une version de Sultai qui est infiniment plus forte dans le miroir que n'importe quelle autre version de Sultai, c'est-à-dire la version avec 4 emprises délétères, 2 Vraskaren Golgari et 2 Massacreuses pour respecter les match-up aggro. Et vraiment, il a un deck carré solide. Même les joueurs MPL ont repris sa version. Le seul joueur au Mythic Championship Qualifier Weekend qui a fait 15-0 sur l'événement avait la version de Crocaze. Donc voilà, en fait, c'est genre, vous jouez la version de Crocaze pour battre le miroir, ou alors il faut jouer autre chose. Et en fait, moi, j'ai un petit peu peur. Que déjà, il n'y ait pas autant de Oko IRL que sur Magic Arena, parce qu'il y a des contraintes de budget, le deck coûte très très cher. Et j'ai aussi peur d'une autre chose, c'est que les gens veulent punir cette decklist de Crocaze qui joue 4 emprises délétères main deck et qui respecte très peu les match-up noirs et rouges.
Et donc, du coup, pour respecter le match-up miroir Oko et pour aussi avoir un edge contre les random decks et voilà, et les decks Rakdos et mono noir en général, bah, j'essaye d'implémenter du blanc. Cette quatrième couleur est gratuite parce que la base de mana est la même en fait. C'est-à-dire que dans le deck de Crocase, qui est la norme de Sultai, on a 14 sources de verre qui arrivent dégager tour 1 et on a exactement le même nombre de sources de verre qui arrivent dégager dans ce 4 couleurs foot. Donc quand les gens regardaient le Mythic Championship Qualifier que j'ai joué, ils disaient c'est bizarre que tu arrives à faire des sorties régulières avec un 4 couleurs. Et non, j'ai le même nombre de sources de colorés, j'ai seulement juste 2 Ravlandes de plus. Et en fait, jouer 4 couleurs est punitif si dans le format mono red existe parce qu'on prend un peu plus de dégâts. Et en fait, mono red n'existe pas pour l'instant. Donc quand mono red n'existe pas, je me fais plaisir, je joue 4 couleurs et l'ajout du blanc du coup. Et là, notamment pour Teferi, qui empêche les interactions de type Emprise délétère, Veil of Summer dans les miroirs, qui va respecter un petit peu plus d'autres match-up, notamment les match-up contrôle. Et le blanc en side nous permet d'avoir accès à Chevalière de l'Automne, Désinfection Temporelle, Tolzimir Ami des Loups qui respecte vraiment les match-up agressifs. On a vu que contre Celestia Adventure, j'ai pas eu besoin de Massacreuse pour gagner les games assez facilement. Et ensuite, on a des cartes très impactantes que nous amène le blanc, que sont des cartes comme Suppression d'étincelles qui sont vraiment très très puissantes contre les match-up contrôle et aussi contre les loups des matchs miroirs. Voilà un petit peu l'idée de la decklist. Je vais pas rentrer dans les détails, j'ai tous les plans de side qui ont été mis sur Twitter si ça vous intéresse. Et puis voilà. Ah, c'est pas possible ça quand un close de... on me demande de créer un deck qui casse Foucault en deux. En fait, je peux essayer de casser en deux, mais ça va être dur et en plus je vais être cassé par tout le reste. Donc... Ouais, c'est très compliqué, c'est de genre, casser un canon de glace, comme on dit. Il vaut mieux essayer de trouver le meilleur deck Oko qui bat Oko en fait. C'est ce que j'essaye de faire avec ce 4 couleurs. Et du coup, Sultai Ramp, deuxième deck. Ouais, alors Sultai Ramp, c'est plus un délire. J'ai jamais testé. Ça a été build entre deux games cet après-midi. Vous avec noterez PL. Une similitude. C'est-à-dire la similitude. Entre les deux decklists, quand tu ouvres, t'as l'impression, tu sais, qu'elles sont juste pas mises dans le même ordre, les cartes. Mais ça ressemble beaucoup. Ah. Mais c'est fait exprès que ça ressemble beaucoup. On est en mode. Merci beaucoup pour le sub, Funny Snake. On est test pour le GP Lyon. Donc, on va pas vous présenter des decklists farfelus pour essayer de faire des trucs. Là, c'est tryhard, quoi. Alors quand même, le Sultai Ramp, je reviendrai quand même sur ses propos, pour moi ça n'a rien à voir quand même avec les versions food. Ça ressemble parce que la shell Oko est la même, mais tu joues beaucoup plus d'accélérateurs, on joue que des haut drop, on ne joue plus les méchants loups, on joue plus la fibre midrange du deck, on joue vraiment la fibre ramp, on joue des Paisseurs Arboricoles, on joue 26 landes, on joue des Châteaux de Ventresse pour le late game, on joue des Décèlements des Saints, des Victimes de la Guerre. En gros, c'est le penchant Sultai de la version bande de Stan Sivka. Ça n'existe pas, je teste, voilà, c'est juste ce soir, c'est un test. Est-ce que en rampant, on peut jouer Sultai plutôt que Bant. On y perd dans des cartes comme Désinfraction Temporelle, mais on y gagne avec des cartes justement comme Victime de la Guerre, qui ont l'air très très fortes dans les miroirs de Oko. On va y perdre forcément dans le milieu de game, mais la decklist a l'air de faire très régulièrement Nissa Tour 3 dans de grosses Krasis. Agents de Traîtrise sont de très bonnes cartes en miroir aussi. J'ai envie de tester cette couleur-là, cette shell, ça... Il y a pas de j'ai pas de vraie plus-value à donner parce que j'ai pas de test, je suis pas objectif sur la decklist et ce soir je teste. Exact. Et le side bah du coup classique, pas grand-chose à rajouter. Si commandez l'ordre de l'effroi en side. Ouais, bah. J'imagine que ça doit être plutôt bien pour battre le miroir sur le côté grindy et que ça ne prend pas Veil of Summer, donc c'est de très bon goût. Oui. Terminé. Donc c'est un test. Et du coup mes deux decks donc le deck que je pense jouer au GP, ça risque d'être ça, Sultai Oko, très classique. À deux cartes près, c'est la liste que je jouerai. À voir, suivant mes tests, ce que j'en conclue. Mais sinon, là, ce soir, je ne vais pas jouer avec ce deck-là. Je vais jouer avec Golgari Adventure. Parce que j'adore Golgari, que j'ai pas mal joué avec deck Adventure et que ça a l'air quand même bien stylé. La base, donc Tavernier de Bornemur, qui trigger sur Chevalier Putrefondrière, Horde de Minuit, Cavalière Meurtrière, Bête Frappée d'Amour. Pour générer de la value et avoir quand même des bonnes cartes. Hein. J'avais plutôt Fondrière, qui est un très bon bloquant, surtout contre les decks Oko, qui permet de piocher aussi quand il est top deck. Horde de Minuit, qui fait beaucoup de value. Cavalière Meurtrière, qui gère tout. Et Bête Frappée d'Amour, qui est un très bon bloquant contre les decks aggro. Donc on est très bien contre les decks aggro. 3 Druidesses de Paradis pour s'accélérer un peu. 2 Emprises d'Éther main deck. On est obligé de respecter les match-up. C'est beaucoup moins fort dans Emprises d'Éther quand vous ne jouez pas Oko, parce que vous ne pouvez pas transformer les permanents adverses en créatures vertes. Enfin, les artefacts et créatures en créatures vertes. Donc, Emprise délétère n'est pas sûr de toucher. Vraiment, dans ce deck-là, de toute façon, vous avez 4 cavaliers meurtrières, hein, mais il y a de grandes chances pour que Emprise délétère ne serve à rien si vous rencontrez un match-up qui n'a pas de vert ou de blanc.
Ce qui est très rare, mais ça existe. Turlupin qui permet de mettre la Et pression voilà, on et d'avoir l'avait. trois effets très très sympas. Merci beaucoup à Ouzou pour le sub. Merci beaucoup pour le sub. Bête de quête qui met une pression, puisqu'elles ont un peu disparu, les bêtes de quête, enfin même carrément. En Donc fait, elles c'est. se font trop mal matcher par méchant loup, en fait. Ouais, mais elles mettent quand même une belle pression. Et quand vous avez Vivienne, bah, ça vous permet de tuer n'importe quelle bête ou de mettre une énorme pression à l'adversaire. Une 6-6, piétinement, Death Touch, enfin c'est insupportable pour votre adversaire à gérer. Nissa, parce qu'on joue pas Krasis, donc deux Nissa suffisent, deux décèlements qui permettent de faire de la value ou de Vrasse, et deux Garouk. C'est pour ça, quand j'ai vu la décliche, j'ai vu deux Garouk, je fais oh, j'adore, génial. C'est coquin, hein. Qui sont très très forts dans le miroir de midrange. Et les aura main deck, c'est très bien. Et en side, on a quasiment que du noir. 3 contre 1, 3 vols de l'été, 2 emprises délétères, celle qui manque, 3 fins de la Légion, 2 rituels de suite, la massacreuse Lyanna. C'est vraiment un deck qui souffre de ne pas avoir Oko, mais à la fois qui a tellement de bonnes armes, de bonnes façons de se battre. Que j'ai envie d'y croire. En plus, Ce regardez qui est ça, le bien avec nombre de ce deck, styles de c'est cartes que j'ai. que tu abandonnes pas le match-up sur tous les autres random decks en fait que tu peux rencontrer, alors que Sulta Yoko, il suffit que tu te prennes un Rakdos Sacrifice et que tu pioches toutes tes emprises délétères. Ouais. Tu vois, tu te sens un peu bête. C'est vrai. Là, je suis moins fort que Oko contre lui-même. Par contre, je m'améliore dans le match-up des rogue decks, c'est-à-dire les decks qui sont moins représentés. Hop là, typiquement un Azorius Control, vu que j'ai Turlupin et excusez-moi, je remets la lumière en place. Allez, tourne. Voilà. Vu que j'ai Turlupin et Bête de Quête, les match-up Control, bah, je leur mets une pression énorme comparé à un deck Oko qui bah, peut mettre la pression, mais s'il fait pas Oko into Nissa, bah, il est beaucoup plus lent à se développer. Donc ce genre de truc est sympa. Ouais, il y a une question dans le chat, j'y réponds vite fait. Pourquoi Garruk et pas Ouais. Lilianna? Alors c'est vrai que Lilianna, elle a le bon goût de ne pas prendre Noxious Grasp, donc emprise délétère. Cependant, les matchs sont beaucoup joués au board présence et Garruk impose juste plus de board présence que Lilianna. Donc en fait, maintenant, la clé du standard, c'est pas la gestion. Si c'était la gestion et le fait de pouvoir juste slammer 2-3 bonnes créatures, on préférerait Lilianna. En plus, comme je dis, elle a le bon goût de ne pas prendre emprise délétère. Mais en fait, juste le fait d'impacter le board de manière plus puissante, bah Garruk lui est supérieur actuellement. C'est un contexte. C'est pas la carte qui est meilleure en soi. Exact. Et du coup, Bantrampe, très proche de la version jouée par Stan Sivka, il me semble. C'est ça? Ouais, c'est quasiment sa version à la carte près, il me semble. Ouais, quasiment. Alors, il y a juste. On a cuté les adjointes, nous, et on a rajouté un Teferi. Ouais, parce que Adjoint est beaucoup moins relevant en ce moment. Dans le match-up. Enfin, dans le match-up de deck midrange, même si ça reste une bonne carte, hein, mais il y a des loups partout, des emprises Ouais, délétères ça se fait partout. éclater par les loups, ouais. Donc, emprise délétère tue l'adjointe. Et le loup éclate l'adjointe. La shell du coup rampe, comme le suite à Rampe de Val d'ailleurs. Wador, Pêcheur Arboricole, Druides de Paradis, il était une fois Spirale. Je compte il était une fois comme une sorte de rampe, parce que ça va vous chercher le terrain, ou l'accélérateur, qui permettent de faire le plus souvent Oko tour 2 ou Nissa tour 3, ou tour 4 au pire, hein, c'est quand même bien. On accélère dans des agents de traîtrise ou manipulation de masse, à la game 1, sauf Crocase qui maintenant joue des voiles de l'été, bah, c'est un peu game de jouer ça. Teferi vous empêche de vous prendre les voiles de l'été en game sidé après, même si bon, il peut se faire gérer, mais généralement vous pouvez Ouais. le garder. Si vous avez manipulation en main, vous gardez votre Teferi pour le faire, il survit un tour, faites manipulation, voilà, c'est fini. Donc c'est quand même très sympa, l'écrasis, et le but c'est d'aller plus vite en fait que l'adversaire. Sympa aussi. Le petit side, hop là, regardons-le, qui est un peu armé contre tout, 3 voiles de l'été, 3 rafales d'éther, le petit décret fervent. 4 méchants loups qui peuvent être rentrés du coup puisqu'on a la base de la chaîne food, donc on peut avoir le leader de la chaîne food. 2 bêtes frappées d'amour pour bien respecter aggro et 2 Tolzimir. Là c'est en fait on passe contre aggro de Bantrampe à Bant midrange quasiment en rentrant bêtes frappées d'amour, méchants loups, Tolzimir, et bah voilà, il est stoppé net le deck aggro. C'est très intéressant parce qu'à la différence de Sulta Yoko qui cherche à être réactif envers les decks miroirs de Oko, là tu cherches juste à l'overpower en fait, à faire des choses plus grosses plus vite. Ouais, exactement. De toute façon, on mettra toutes les decklists évidemment sur le Discord comme à notre habitude. Oh, et ben tu sais quoi, je l'ai pas acheté, mais je voulais. Ah, le petit protège-carte, mais c'est Ouais. toi qui me l'as vendu en plus. Ah ouais, mais j'ai pas eu le temps de l'acheter là, justement. Du coup. Tu me l'as vendu, je me suis dit, oh, il a raison, tu sais quoi, il a raison, franchement. Du Du coup, coup, je ne l'ai pas je te le encore. montre. J'achèterai pas, je pense, tous les protège-cartes petits poneys. Je voulais voir à quoi ils ressemblaient et pour le coup, c'est juste des petits poneys dessus. Mais Ouais, tu t'attendais quoi?
Mais bah non, mais tu sais, en mode, je sais pas, que ça ressemblait à un dessin de Magic, mais avec un poney à la place ou truc comme ça, tu vois. Mais là, vu que ça me parle pas du tout, pour le coup, je vais me contenter de prendre le d'autres cartes violet pour soutenir une noble cause. D'ailleurs, n'hésitez pas, si vous avez envie de soutenir une association, vous pouvez acheter d'autres cartes Caval ou d'autres, Mon Petit Poney. Et il y a un pourcentage, je ne sais plus de combien, qui est reversé à une association créée par Wizard, il me semble. En tout cas, soutenue par Wizard. Ouais, donc c'est pour la bonne cause, n'hésitez pas. Val, je vais être très bon à cette game, je préfère te le dire. D'accord, ok. Comme d'hab, PL, tu joues ce que tu sais sur ce que tu sais et au side, tu rentres ce que tu sais à la place de ce que tu sais. Avec le tu sais quoi dans le tu sais qui. Ah putain, bah épisode, ok, d'accord. Alors déjà, la boulette. Ça commence vite. J'ai mal séquencé. Ah, du coup, tu peux pas faire ton emprise de l'éther. Non mais laisse tomber, je suis un connard, c'est pas grave. Ok. On va dire que je t'ai donné la une, ça te va? Sache la conne, je le savais déjà. Ok, je peux pas lander parce que j'aurais dû jouer Château de Ventresse, taper À la au une. premier tour et j'étais en train de billevesée. Ah, t'as pas pu faire Druidess? Ah, c'est un peu moche. Ok. Ouais, Je c'est même dramatique, on va pas se mentir. vais pas te mentir. Ouais, je vais concéder, vous avez raison. Passez à la prochaine. Ah non, le but c'est de jouer. Je rigole, évidemment. Merci Lancelot. Ok. Ça rampe bien en face, hein. Ah, ça rampe bien, non? Alors. De quel connard ce type? Ouais. Hop, je peux vous zoomer sur. Je crois que c'est My Little Pony. Enfin, c'est inspiré de My Little Pony, mais c'est Adjani qui est représenté sur le dos de carte. Et leur association, pas extension, s'appelle Extra Life. Ouais. Ah, le mec est là pour bourrer, quoi. Oh, j'y vais, Val. J'y vais ou Ok. pas? Ah bah vas-y, hein. My Little Adjani, ouais. Oh, j'y vais, Val. Donc, Ok. est-ce que je peux savoir ce que tu joues? Si t'as un château de Ventresse, je dirais que tu joues plutôt rampe. Dans ton cas de Ah bah couleur, tu ouais, vas pas pour le. Ah, mais il y a y a plus Super Perle de trop. Croissance, de toute façon, j'avais pas vu. Il y a plus trop de secrets, quoi. C'est probable, manga Animachess, ouais. C'est probable que Oko voit pas longtemps du standard actuellement au vu de sa surreprésentation. Est-ce qu'on a besoin d'un truc particulier? Probablement. Probablement ça. Ok. Je crois qu'ils ont fait un article, Helsing Legend, sur le site Wizard, qui explique comment obtenir les decks, mais je crois que c'était sur le site d'Hasbro, en très limité, à une heure précise. Donc à mon avis, si c'est déjà sorti, je pense qu'il n'y en a plus. Mais tu peux toujours en trouver sur des sites revendeurs, si jamais ce n'était pas une quantité très limitée. Est-ce qu'un ban de Nissa ne serait pas suffisant? Peut-être, Scarlet Soul, peut-être. C'est probable qu'ils bannent pas Oko et que justement ils essayent d'affaiblir le deck Oko en passant par une autre carte un peu clé du deck, c'est sûr. Évidemment, quand on dit bannir Oko, c'est plutôt bannir la puissance du deck. Si j'arrive à trouver un ban suffisant, typiquement Wador, ça serait pas trop mal aussi, quoi. Yes. Eh ben c'est marrant, comme quoi même avec que des landes piochées, ça marche Ouais, bien. alors après Ah, tu fais pas normalement la à ce Druidess, ouais. tour-là tu prends victime de la guerre et j'ai juste en fait j'ai décurvé tout mon tour parce que Ouais. j'ai pas landé mon Castle Ventress parce que dans ma tête il arrivait dégagé alors qu'en fait j'avais pas une tombe aquatique, j'avais un tombeau Luxura. C'est un peu biaisé comme histoire. Ouais, je suis désolé, j'ai troué la game et c'est pas très pertinent quoi. Bien joué. Bien joué. Vraiment désolé d'avoir fait cette bêtise, j'étais ailleurs quoi. Quelle erreur. Quelle Quelle erreur du joueur erreur! français.
Oh, j'ai le générique de Mon Petit Poney dans la tête du coup. Tadadadada. Tadadadada. Ok. Oh, je sais pas, Val, dis-moi ce que j'enlève. Dans le chat, dites-moi. Le tu sais quoi dans le tu sais qui. Bah, il faut que tu rentres, vu que je joue Sultai, il faut que tu rentres des Veil of Summer. Ouais, ça, je sais. Ouais. Non, mais c'est quoi sortir le problème? T'as des Aether Gust? J'ai entré 3 rafales d'éther, 3. Si t'es 3 si t'es veilleurs. sur la draw, tes Planeswalkers sont moins bons, donc tu peux considérer enlever les Teferi. Après, ça te part bien des interactions. Et ouais, j'ai enlevé un Teft déjà, mais je me vois mal enlever un Noko ou une Nissa. J'ai enlevé un agent de traîtrise, il manque deux cartes à enlever. Je vais enlever une Krasis en vrai. Tu peux enlever une Krasis, ouais, c'est moins pertinent qu'un agent de traîtrise dans Krasis. le miroir. Et je peux enlever peut-être un Oko si tu commences. Ah, Non, c'est Oko, dur. c'est. Ouais, pas touché. Hein. Pas touché, oh, ok. J'ai Dans le enlevé coup. une Druidess, je crois. Tu peux enlever une Druidesse de Paradis, je suis pas méga fan de ce play-là. Tu peux enlever un Once Upon a Time aussi. J'ai déjà Ça, c'est enlevé un facile. Once Upon a Time. Ou tu peux descendre à deux. Je Ouais. conseille pas de descendre en dessous, mais c'est discutable. Normalement, il rembourse systématiquement Lovecraft. Alors, hop, c'est parti. Ah, je sais pas si t'as vu, Val, le dessin de Path to Exile, le promo. Bah, il est magnifique. Et il est Il est juste. incroyable. Il est bilvesant, J'espère voilà, que ça pour va être employer des mots. légal en pionnière bientôt. Il est vraiment magnifique. Et quand on dit bilvesant, ça veut pas dire ce que c'est censé vouloir dire. C'est-à-dire, normalement, bilvesant, c'est un peu vide de sens, quoi. Même si c'est un mot qui n'existe pas, qu'on a inventé, qui est un décliné de bilveserie. Bilvesé, je crois, pas bilveserie. Bilvesy, ouais. Okidoki. Ouais, donc tout c'est un terrain vert que je ne saurais voir. Ah bah il est là lui hein. Ouais, c'est le poteau. C'est le bon poteau. Le poteau Oko. Oko poteau. Ouais, une petite sortie rampe pourrait accélérer dans Nissa ou Krasis un peu rapide. Non, ça va le faire, je pense. Petit Aether Gust après pour que je le trouve pas. Est-ce qu'on laisse. Alors. En réponse, je vais d'abord faire l'étude une fois, si tu permets. Vas-y. Et on va On veut récupérer ramener au ça. coin à la maison. Ouais, il est dessus. On top. Donc pour 3, on a fait un token food. C'est bon. On tempo. Passe ton tour, Gary. Voilà. Je passe mon tour. Je passe mon tour, je passe mon tour. On n'a pas de plaine dans ce deck. A pas besoin. Ouais, remarque, il y a que 3 TF. Ouais. En vrai, ta Druidesse de Paradis ou Ador, ça fera largement assez de blanc. Joue Sultai Ramp, je me rappelle pas de ton side. Eh ben, il fallait se rappeler. Ouais. Ça résout. Ça résout fort. Ça résout bien. Ouais, 3 points. Oui, Val voit le chat, donc ne spoilez pas ma main. Oh ouais, spoilez pas la main de Pierre-Louis. Là, je regardais pas le chat, donc je sais pas ce qui a été dit. Mais faites bien attention à pas me révéler de quelconque carte que PL pourrait jouer. C'est quand même très important. Ah bah il est là. T'as ta top des cocos quoi. Eh oui, tu l'avais bottom. Enfin, je l'avais laissé on top, pardon. T'avais tenté de le bottom, j'avais dit ouais, non, je vais quand même le garder, ça a l'air bien. C'est mon pote, tout ça, quoi.
Ouais, pas d'attaque. Pas d'attaque, pas d'attaque. C'est pas ouf ce que je fais. Ça a pas l'air dingue, non. Ah, il a une vive lance du monastère. Incroyable. Ouais, c'est pas ouf, mais ça avance dans le paquet, hein. C'est le play. This is the play. Ben voilà, tu voulais une plaine. Qu'est-ce que tu nous Nickel. embêtes avec la plaine, là? Non mais c'est quand j'ai fait sur Passage Merveilleux, j'avais pas de plaine et j'étais étonné de ne pas en avoir une, c'est la one slot. J'en profite pour dire qu'on a fait un petit sondage. Ah, vous êtes 500, merci beaucoup. Merci On beaucoup. a fait un petit sondage sur YouTube. N'hésitez pas à aller checker ça, à mettre un commentaire ou ne serait-ce qu'à voter. Ça nous indique un petit peu l'avis général des gens concernant le fait qu'on pourrait passer à faire des vidéos à distance et non plus à deux côte à côte. Mais là, en fait, comme heureusement si tu peux, pour faire certaines vidéos, ce ne serait pas que des vidéos à distance. Mais ça nous soulagerait énormément de pouvoir en faire certaines à distance. Ça nous dégagerait du temps. Ça nous permettrait d'être un peu plus réactifs sur l'actualité potentiellement. Ouais, Donc, logistiquement parlant, ça serait vraiment un plus, quoi. ce Et serait ça nous vraiment permettrait plus. aussi d'espacer nos vidéos en termes de tournage. Ouais. Donc d'être plus frais sur certaines. Au mois de novembre, on va tester ça sur une semaine, je pense, ou peut-être deux. Et on verra par la suite si jamais c'est bien reçu, etc. Par contre, c'est quelque chose qui sera mis en place pour un futur un peu plus lointain, disons. C'est pas pour être mis en place de suite. Parce que pour l'instant, là, Après, si en on. novembre, au final, il n'y a pas de l'inverse de plus-value, c'est-à-dire une dévalue, s'il n'y a pas de baisse de qualité et que vous trouvez ça bien, on va le mettre en place quand Oui, ça nous soulèvera, quoi. mais là actuellement c'est pas forcément un problème tout de suite, mais ça peut en devenir un dans les mois qui arrivent. Donc c'est pour ça qu'on préférait préparer le terrain d'abord, voir, etc. Non, pas du tout. C'est juste que moi, en fait, à chaque fois qu'on tourne les vidéos au Clochat, ça fait 1 an et demi que je me rends chez PL bah, à chaque fois qu'on tourne. Et donc, du coup, comme j'ai pas forcément le temps et PL a pas non plus envie de vivre entre guillemets en colocation, c'est-à-dire qu'en gros, à chaque fois qu'on va tourner, je vais chez PL et ce serait peut-être sympa si certaines vidéos, on peut les faire à distance parce qu'en gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand je vais chez PL, j'y vais du matin au soir parce qu'on doit tourner toutes les vidéos pour que je n'ai pas entre guillemets à faire plein d'allers-retours et que PL ait à m'accueillir tous les jours. C'est déjà très sympa qu'il m'accueille depuis 1 an et demi une fois par semaine. Donc Et ça serait logistiquement plutôt efficace et utile pour nous, quoi. ça commence à bien faire, si vous voyez ce que je veux dire. J'avoue, quoi. Ok. Passer au bloqueur, on va trade ici. Je suis très déçu que tu aies trouvé Nissa. M'arrange pas des masses, quoi. Je suis pas déçu. Et ça, c'est que la partie émergée de l'iceberg. Ben ouais, je me doute bien, ouais. Derrière, il y en a 7 qui attendent. Ouais. Non, en plus, la plupart du temps, il ne mange pas, il se commande à manger parce que Ouais, j'ai pas il envie de tout veut le temps pas déranger, entre guillemets, alors l'exploiter, qu'il quoi. n'a pas envie de me dire qu'il n'aime pas quand je fais manger. Non, c'est pas vrai. En plus, c'est ta Voilà. douce qui cuisine la plupart du temps et elle cuisine très bien. Merci. Non, mais pour moi, au bout d'un an et demi, on a cette chaîne à deux et avoir le rôle du mec qui me déplace tout le temps, du squatteur, bah, si on peut juste le diminuer un petit peu. Et puis en plus, comme on le dit, c'est-à-dire qu'on doit tourner toutes les vidéos en un seul jour, alors que là, on pourrait les espacer. C'est-à-dire que des fois, au bout de 3-4 vidéos, bah sur la cinquième, vous en rendez peut-être pas compte, mais on est un petit peu moins chaud, un petit peu moins réactif, un petit peu moins. Parce qu'on a 5-6 heures de tournage dans les pattes, quoi. Et ça nous permettrait d'être plus aéré, en fait, dans notre planning. Exact. Et au-delà de ça, on s'en était pas rendu compte. Mais on s'est posé vite fait, on réfléchissait aujourd'hui. Enfin, vite fait, on a parlé quand même pendant 2 heures de l'avenir de la chaîne, de plein de choses, etc. Et on s'est dit, mais attends, qui fait des vidéos genre à deux physiquement? Mais en fait, on a personne qui nous est venu en tête à part Max Javier Carreto qui sont à 5 millions d'abonnés. Mais Et qui le sinon. font qu'une fois par semaine, Et quoi. qu'ils font qu'une fois par semaine, il n'y a personne qui fait des vidéos aussi souvent à deux physiquement. Enfin, en tout cas, on n'a pas d'exemple. Et s'il y en a, je pense qu'il y en a qui font ça comme nous. Bah, ils sont peu nombreux. Donc en vrai, on s'est dit,
Putain, quand même, c'est vrai que c'est pas mal tout ce qu'on a fait depuis tout ce temps. Ouais, en tout cas, Donc, tenir ce rythme aussi longtemps, c'est pas évident, quoi. C'est ouais. déjà une belle performance, quoi. Hop là. Ce On serait a. juste en fait un soulagement logistique après. Si on, mais même nous, hein, si on y perd en qualité, si on sent que l'interaction est plus dure parce qu'on a distance, qu'au niveau du micro, bah, des fois on se parle dessus, que c'est moins drôle, et on continuera, je continuerai à aller squatter chez PL, évidemment. C'est juste, on veut tester si ça change rien, si juste PL me partage son écran, il joue, je lui partage mon écran, je joue, et que ça ne change rien à l'interaction, bah, juste why not, quoi. Si on se rend compte que c'est pas fluide, on le fera pas. Ça, c'est clair et net. Ouais, on peut faire à distance avec les petits carrés côte à côte, effectivement, quoi. Je peux même installer un fond vert si les gens le demandent. Enfin, tout est faisable, quoi. Voilà. Tout est faisable. Nous, on cherche juste à s'améliorer et à faire ça le plus sereinement possible, quoi. Merci beaucoup en tout cas pour vos retours. Ouais, merci beaucoup. Alors pourquoi Si vous voulez transformer voter, participer, la vous pouvez. Crasis 177? On me dit bah parce qu'elle ne vole plus et elle ne piétine plus. Donc c'est plus simple pour moi, alors que là elle aurait pu attaquer mes Planeswalkers, je pouvais pas la défendre. En tout cas, on board, j'avais rien pour défendre d'une Crasis quoi. Ah j'avoue, on va Ouais. tourner les vidéos là, la vie scolaire vole. Mais quoi? J'avoue, mais con, pourquoi on n'y a pas pensé? Et genre, vous nous entendez d'un coup, on se met à dire, oh oui, t'as pas ton carnet? Ok, on tamponne. Du coup, là, je pense que tu fais ce play-là. Ah merde, y a plus de temps. Foutu quoi. Ah, je suis je Et billeveuse là, je ne sais que faire. on a bien sûr des vidéos, enfin, on fera toujours des vidéos à deux. Mais les faire toutes à deux, en fait, c'est ça qui prend du temps, etc. C'est Et ça. curieusement, il y a des vidéos aussi que vous voyez pas qui peuvent mal se passer. Ou alors des vidéos que vous voyez qui ont pris beaucoup plus de temps. Par exemple, la vidéo dure. Bah, c'est marrant ça. C'est marrant. J'accepte Veil of Summer ici. Je t'ai pas donné de carte à piocher, donc. Est-ce que je veux garder une forêt? Bon, je sais pas. Ça, c'est pas à moi qu'il faut demander, Pierre-Louis. Pas trouvé le sondage sur Twitter. C'est sur YouTube, Pythagoras. Sur YouTube. Ah bah merci beaucoup, Machous, qui spamme le sondage. Vous pouvez aller voilà, donner votre avis. Vraiment, c'est une demande qu'on fait à la communauté et on veut pas vous décevoir dans tous les cas, quoi. C'est nous, si ça nous permet de faire plus de choses et de tenir plus sur le long terme, bah tant mieux, quoi. J'avais chié. Ouais. Ça nous arrive quand un close, ouais, que des gens nous reconnaissent, ouais, évidemment. Bah, surtout quand on se déplace dans des boutiques. Moi, je fais pas mal de tournois via Dragon Ball Super Card Game. Et généralement, je rencontre des gens qui jouent à Magic ou même qui jouent à DB et qui regardent du Magic Arena. Tu veux faire du Maya Denial, ouais. Je pense que je peux pas trop me permettre. Mais en vrai, que t'aies plus de paisseur, c'était pas mal aussi. Parce que ma Crasis, c'était libre. Libre. Je suis libre. Ouais, après, faut pas déconner non plus. J'avais quand même un paisseur dans ma manche, Oh si tu veux. là là, il est bon. Tu sais que j'ai failli te le Bah. laisser parce que justement il n'y a plus de paisseur. Je me suis dit, ah ouais, comme ça je grappille Yoko. Eh ouais, mais non. Et je te le tuais en plus. Mais non, il est bon ce Val. Ouais, tout prévu. Elle est tout prévu quoi depuis le début. Ouais. Comme Enfin bon, disait. après, c'est pas mirobolant ce qui se passe, hein. Comme disait une serveuse dans Cauchemar en cuisine, j'ai le démon, j'ai le démon, j'ai le démon. Le Le démon, il y a pire. un G à la fin. Elle a le démangue. Elle a pas le démon, elle a le démangue. Comment ça va mettre le démon là? Je C'est marrant quand me désabonne si vous faites ça toujours plus. Non, mais c'était pour rigoler, Jusciné. Ouais. Il y en a qui ont On dit, corrompt des gens dans le bar. moi, ça me correspond pas à vos avis parce que j'aime pas, mais je me désabonnerai pas quand même. On espère que vous ne vous désabonnerez Ouais, pas. mais j'aime pas, je me désabonne. On comprend juste que tu veux vraiment pas que ça arrive, quoi. C'est une blague, je me désabonne. On se doute bien que les gens se désabonnent pas pour ça. Ah, là tu vois, j'ai lâché la souris, j'ai pas fait exprès. Bon, c'est pas grave, il y a Teferi au moins. Ah ouais? Là, tu voulais pas Teferi. Bah, t'as bien raison, c'est nul. Non, c'est bien, mais j'étais en train de réfléchir à l'ordre Tu peux renvoyer Crasis, hein, franchement, bon Ouais, bah bail. regarde, je le fais là.
Ouais, tu pourrais envoyer la même. Non. Tu pourrais renvoyer la mienne, pardon. Ben, on en fait une Le plus bien là. important, c'est les 3 points. Comment? On en fait une bien le crasi cela. Ah ben, tu peux en faire une bien, oui. Et on les pioche les cartes. On est cuit. Hein. Ah mais tu es cuit, hein. Est-ce qu'au niveau du cerveau, c'est sympa à jouer, Bantram? Parce que ça a l'air cool, tu vois. Il faut prendre Ouais, en c'est compte cool. qu'est-ce que j'ai envie de jouer pendant 10 heures, quoi, surtout. Qu'est-ce que c'est quoi que je fais, comme on dit? Parce que typiquement, June Sacrifice, c'est très sympa, hein, mais pas 10 heures, quoi. Ouais. Kétis Combo, c'est adorable, hein, c'était mignon, hein, mais pas 10 heures non plus, quoi. Ok, voilà, c'est un peu une bataille de board, mais j'ai Nissa à 8, donc c'est à toi de trouver une solution. Je m'encaille. Eh ben je fais rien, eh ben tu perds. Eh ben oui. D'ailleurs, fais gaffe, hein, Nissa à 8 en miroir de rampe, c'est très risqué. Hein. Pourquoi? Tu sais pourquoi? Ah, pour Ah, Agent Traîtrise. le monsieur, Pense-y, ouais. c'est des plaies qui font bilvesée. Pense-y. Présentez-vous. Pense-y. Eh, pense-y, quoi. Présentez-vous. Bonjour, je suis un monsieur. Si les gens ont cette ref, je vous adore. Je l'ai pas, mais ça me fait beaucoup rire. C'est un C'est extrait le mec qui de. rigole, mais il sait pas pourquoi il rigole. Il rigole parce que tout le monde rigole. Ah C'est dans ouais, le c'est moule, comme quoi. la fois où. Et tu rigoles. Génial. C'est une Non, ref je rigole. à. Ah, exactement, Ouzo. Qui je suis? Qui je suis? Il n'y a pas la ref. Je l'ai vu dans une vidéo qui montrait cet extrait où c'est un entraîneur de rugby qui fait un speech d'avant-match et c'est formidable. Aujourd'hui, C'est c'est un formidable. derby. Le club en a besoin. On en a besoin. Présentez-vous. C'est genre Bonjour. soyez présent, quoi. C'est moi. Non, en fait, c'est parce qu'il y a des nouveaux, je crois. Et Okay. il lui dit de, il leur dit du coup de se présenter. Et les mecs se présentent, C'est évidemment. moi. Incroyable. Ah, c'est fou, Va hein. l'en donner une plus grosse, du coup. Ça c'est le rubis, ça, hein, de toute façon. Le rubis. Puis elle a craqué. Non, mais ce genre de truc-là, c'est formidable. Et il y a un autre extrait où le mec est entouré que de rugbyman et leur met des petites tartes en même temps qui leur apprend la vie. Et les mecs sont là, genre. Et ils disent rien, tu vois. Ils sont genre, ok, quoi. C'est trop bien. Ils disent, les mecs en face, c'est vos amis, ça? C'est ton ami qui te prend pour une trompette? Et en face, qu'est-ce qu'ils vont raconter en face? C'est trop bien. Forcément, avec l'accent du sud-ouest. Pas C'est le l'attaque. rubis. Ok. Non, pas l'attaque. Moi, je vais rester soft. Ah ouais, pas d'alcool, t'es sûr? Certain. Ta 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 ta. Ça fait quoi ça Val? Ça fait Je sais ulti. pas si je vais en chercher tant que ça. Ah, je suis quand même. Si, tu en prends 1 milliard. Déjà, en plus, la version joue 7 forêts, ce qui est 2 de plus que les autres versions Oko. Touchez pas mon rubis, ça on touche pas. Après, on est toulonnais Ah, j'ai donc un on peut peu mal bien. joué. Ouais, t'as pas pris tes manas en réponse, je J'ai pas crois. pris mes manas. Après, ça dépend ce que je vais faire. J'ai mal joué, ça dépend. Ah, dans tous les cas, tu prends tes manas, mais Bah, ça pas dépend très parce que grave. ça engage mes créatures. Non, mais tu pouvais prendre Donc. au moins les deux manas qui sont Ah, ouais, qui sont pas pas une des créatures, créature. ouais. Ah, c'est bien ce que je me disais. Oui. Putain, on peut faire plein de trucs là, les gars. J'ai dit trop de conneries sur le rugby, faut que je me reconcentre. Enfin, c'est pas sur le rugby, c'est sur des entraîneurs. Qu'est-ce qui se passe là? Je te sens perdu, je te sens du père. Non, Qu'est-ce ça qui va. t'arrive? S'agirait pas de flancher maintenant là. Ulti de Nissa, on est bien dans la game. Noël Flanché! C'est ce bon vieux Merci Flanché. Aigrit pour le sub. Allez, il a dot Nissa. Allez, il nous Ah, j'ai cague dessus quoi que le ça, mec. Denis, ça va. Arrête un peu de me chanter les trucs là. Ça m'agace. J'ai toujours la plus grosse hein. Bon, la prochaine sera beaucoup plus grosse, mais. La prochaine, elle sera trop grosse pour toi. Ce board me donne mal à la tête. Ouais, faut pas regarder. Tu écoutes juste, tu mets ce rossement en podcast, on te dit ce qui se passe. Ah, c'est vous qui faites les podcasts? Ah, j'adore ce que vous faites.
Je peux voler un truc. Pour combien je concède? Pour rien au monde. C'est Attends, vrai? je vole quoi? Je vole un peu de la merde là. Pour un petit Murderous Rider Alternate Art, tu concèdes? Ah. Sur quoi? Sur Attends, Magic je... Arena ou en vrai? Non, en vrai. T'en as? Ouais. T'en as deux? Non. Dommage. Genre le mec, je lui dis, tu veux 5 euros pour concéder? Il me dit, ouais, je prends 10. Et il a raison, hein. Allez, Pas vendu pour bête, 10. hein. Pas d'attaque. Ok. Et on termine le tour. Ah, oh, on est bien là. On est bien. Alors. Il a Là, on est cassé la bien. télé. J'ai cassé ma télé, ouais. Je suis obligé d'en acheter une. Non, en vrai, il y a plusieurs commentaires qui m'ont dit achète plutôt une barre de son ou des enceintes. Et du coup, ouais, je pense que si je dois investir, j'achèterai plutôt ça. Et une télé. Rien compris. Vous êtes Ouais, bordé, c'est vous? vrai. Comment ça? Non, rien. Ah là là, c'est bien, il est bien ce jeu, hein, Ah, franchement. j'aurais pu casser la télé en jouant à Smash contre Val, ouais. Très énervante, cette Zelda. Oh là là, Très bien c'est le joué en même joueur qui a temps. du talent. Quand même. Après, un Greninja, pas piqué des hannetons. Un Greninja pas piqué des hannetons, ouais, qui m'a fait un petit peu suer, on va pas se mentir. Après, de toute façon, il n'y a pas Lutena pour corriger s'il faut. Hein. Ouais, mais du coup, il y a Link qui corrige. Pas Lutena la cheatée. Oh, je crois pas qu'il y ait eu de Link Paluchiteur. Palutena pour toi hein, dans les BO. Hein. Mais je crois qu'on en a fait qu'un. Et Ouais. je t'ai donné une stock. Ouais, mais ça c'est ce Ok, qu'on dit il est ça. un petit peu biaisé, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on lui fait au Coco? Tu peux faire Vas-y. deux fois l'ulti de Nissa, mais ça sert à rien. Non, je vais Sache-le. juste faire les 3-3 indestructibles. Ouais, c'est possible, Vlad Nosferatu. C'est très possible. Non, ça va. Jouer au co, c'est l'ennui infini. On attend qu'il y ait certaines réactions de la part de Wizard, effectivement. Ça serait bien senti de leur part, en tout cas. Après, l'ennui, je vous trouve un peu difficile quand même. Voilà. C'est effectivement, c'est pas méga fun, mais. Et je l'ai pas Nobes, mais c'est vrai que je devrais acheter ce jeu magnifique. Ah, c'est bon, je l'ai eu, Kantaklos. T'es toujours la plus grosse, hein. Je sais pas ce que tu fiches là, avec tous tes manas. T'inquiète, Val. C'est bon, elle Ça arrive à arrive. point nommé. Ah, c'est bon alors. Attention, j'ai 29 cartes. Putain, ça va être chaud. Est-ce que tu vas foutre Pender? Ouais, je vais mettre Pender, quoi. J'ai l'impression que c'est un super pouvoir de parler avec un accent du sud aisément. Oui. Carrément. Bah, tu sais, les gens du Nord nous Oui. envient. Hein. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, Nous, on 25, a 26, l'accent 27, 28, chantant. 29, 30, 31. On peut Bah, faire tu une perds au très très deck. belle Krasis, mais je vais perdre au deck. Donc, on va juste en faire une suffisante. Que moi, tu l'as fait 1000-1000, ça deviendra juste un gros token. Une grosse statue. Ah, mais il y a encore le Oko qui tourne, c'est vrai. Donc c'est un peu gênant. Attendez. Il a quoi notre accent à la fin? Il est chantant, il est tout simplement chantant. On a la chance de pouvoir chanter en parlant. Tu vois, tous les rappeurs du Sud, ils rappent pas, hein. Ils parlent. Et ça fait du rap. Ça fait des chocs à pic, quoi. Ça, c'est chiant, ça. T'aurais pu t'en passer quand même. Ah, tu m'as rappelé que c'était un bon play. Je me suis dit, oh, c'est chiant s'il me le fait. Je dis, ouais, je le fais aussi alors. Eh merde. En vrai, c'est ok ça déjà. Ouais, j'avoue, 10 c'est suffisant quoi. Pas trop. Pas trop! Okoband contre Okosultai. Alors, c'est des versions ramp, c'est pas les versions foudre. On joue des trucs un peu. En fait, on joue pas de mid-game, on joue de l'early et des gros trucs. Truc C'est celui sale. qui trouve le plus de gros trucs qui gagne. Hop là, excusez-moi.
T'as fait un petit peu tout? Non, un petit rototo. Ah, c'est bien. Là, je sais pas si tu... Ah, si, je sais que tu la joues, j'ai pas du tout envie que tu la trouves, cette carte. Ça commence par un D. Je peux trouver des trucs sympas, ouais. Ouais, s'il fait la plus grosse crasis de tous les temps, il perd au deck et ça a pas l'air d'être un bon plan de jeu. Allez, venez les copains. On y va. C'est le moment, hein. Ah, en vrai, vous aussi, allez-y. Ils sont indestructibles, faut pas hésiter, hein. Ah, c'est gratos. Par contre, ceux qui sont pas indestructibles, tu pardonneras, mais je vais aller leur dire deux, trois mots. Vas-y, vas-y, corrige-les. Il faisait trop Hop là. le... Il faisait les jolis, là. Je vais leur dire reste calme, s'il te plaît. Reste-y donc. Reste donzy. C'est marrant, tous ces manas, je peux vraiment développer plein de plaies et avoir plein de manas au cas où pour faire des trucs. Ok, moi bon, il est mort lui déjà. C'est le but. B. Bah fou. Bref, je sais pas. Est-ce que ça sert de ce overcommit? Je crois pas. Overcommit toi, mec. Grosse spiralu. Ben ouais, tiens, je vais la jouer. Elle est bien. Tu sais ce que j'avais. Ah non, je peux pas te le dire encore, mince. Je vais dire à la fin de la game. Merci, Siapero. Pas très puissant, hein. C'est même sûrement trop tard. Rafale des terres qui prend Oko, Pesseur, Nissa. Rafale des terres. Commandez l'ordre de Ouais, l'Ifrit. commandez l'ordre de l'effroi, J'ai ouais. bélevezé. Ben c'est bien. Ouais, franchement, c'est faible, hein. C'est très très faible. Je vais dire ok en fait. Pas comme Bah, si j'y j'avais crois. quelques réponses que ce soit. Mais t'en as quelques réponses que ce soit, je pense. Bah commander l'ordre. Non. Bah, tu peux contrer, quoi. Hein. Je joue pas de contre. Tu joues pas de contre? Y a pas de stroke? Non. Eh bah, donc du coup, c'est une bonne carte. Et je vais même piocher une petite carte avec ce vol de l'été. Eh Pas bien, beau ça. GG, t'as gagné. Je suis mort en dedans. Yeah. GG. Eh bien, Je je suis fais des désolé cas. d'avoir trouvé la première. Bien joué à toi. Ouais. Bah si c'est si ça va vite sur le deuxième BO, on peut en refaire une si tu veux. Avec ça. Quoique ça va être des Yes, games longues en yes. fait. Donc. Ouais, non, mais on On va verra. Au voir. pire, c'est pas grave. De toute façon, Sultai Ramp, c'était vraiment en mode ah, ok, Ouais. on prend la version Stiv'K en bant, on essaye de la jouer en Sultai et on sait pas ce que ça donne. Voilà, je pense que ça donne la même chose qu'en bande, faut juste faire Nissa Krasis en premier, quoi. Jouer. C'est parti. Alors. Et du coup, je mets à jour le score. Ouais, et faut que tu me donnes le toss. Non, parce que j'ai juste à te le donner, même si je le garde. Tu peux laisser les mêmes paramètres. Ah oui, si tu l'as, tu me le T'as donnes. juste à me D'accord. dire qui commence. Bah, je commence. Je m'en doute. Merci beaucoup, Xavier Le Polac. C'est moi! Je veux piocher en premier. Hop là. Alors, joue contre Golgari Adventure. C'est l'Adventure, quoi, quelque part. Regardez cette main. Je pense que je garde cette main si je connais pas le deck adverse. Ah, Je non, mais tu le suis un connais, le deck monsieur. adverse. Ouais, mais je fais comme si. Si, si, t'as le droit d'aller aux toilettes, I'm the Creator. C'est juste, prends en compte que ça peut ne pas arriver pendant 5-6 heures, quoi. Si t'es bon mais lent, t'iras pas aux toilettes. Si t'es pas bon, Voilà, c'est t'iras ça. très vite aux toilettes. Si t'es Tu bon et joues rapide, mono-red, t'iras aux toilettes aussi. si tu joues mono-red, tu peux boire un max de bière. N'hésite pas. C'est bien ton truc là. Ouais, ça s'appelle Oko, c'est un Planeswalker pour 3 qui a plein d'effets et que des plus. Alors moi j'y crois pas mais c'est ce que tu veux Ouais, mais. c'est vrai que ça a pas l'air Par incroyable. contre, il est déjà à Mais 16, donc il y a un plan beatdown qui peut se mettre en place très rapidement. Ils sont pas beaux mes tokens Full Art? ah, ils sont magnifiques, Ils hein. sont pas mal. Hein. Ils sont magnifiques, comme dirait une star de la télé, Oh, pas c'est. réalité. Yannok a changé son pseudo en Yannok devient Gojira. Incroyable.
Oh, très beau, belle référence. C'est ça Gojira. Non, pas du tout. Non, ah, je C'est plus rigole. chanté que du growl pur. C'est chantant, Gojira, hein, vraiment. Surtout, Boss plus Lama. d'album. Un truc comme ça. D'album en album, c'est chantant. Ouais, c'est bah, Kalogira, exactement. C'est un peu Kalogira. chanté comme. C'est un peu chanté comme Kalogira. Qu'est-ce qu'on te fait à toi? Et Takoyaki. sûrement des bêtises. Takoyaki. Ah, j'adore le principe, c'est que je m'y connais très peu en métal. Et on m'a expliqué qu'en fait, Gojira, c'était des mecs qui étaient techniquement très 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 haut. Irréprochable. Mais qu'ils avaient choisi de faire genre ça, quoi. Je trouve ça trop fort. Le Non, mais parti ça pris est par trop contre, c'est bien. pas vrai. C'est des réducteurs et des mecs qui aiment pas Gojira Ah, ok. parce que justement, ils sont techniquement très hauts et ils font des choses techniquement très élevées, quoi. Eh bien, techniquement, vous n'êtes pas roi. Ouais, c'est quand même très très puissant ce qu'ils font. J'invite les gens à écouter les albums de Gojira, The Way of All Flesh et d'autres. On marque Ah, aussi. pardon, du coup, j'ai lu ton nom, mais pas ton commentaire, Yannok. Il vaut mieux 4 Nissa ou 4 méchants dans un Simic Food. Si tu joues 4 Krasis, je dirais mieux 4 Nissa. Parce que si tu as la possibilité de faire Nissa tour 3, c'est plus fort que 4 loups. Bien joué à toi, Chouibi. Ouais, le batteur est juste insane, comme disent les jeunes. Il est insane, vraiment. Ah. Maldorusso, Meurderussu. Laidoul. Noshta. Maldorusso. Sotero. Ouais. Regarde comme je m'amuse là. Amuse-toi. Regarde donc. Ok, je vais m'amuser aussi, voilà. Vas-y, amuse. Amuse-moi, tu sais quoi? Vas-y. Bon, pour ceux qui savent pas, ça c'est une, comment dire, un troll un petit peu de Gojira. C'est pas eux qui font ça. Je peux faire ça toute la journée, mon pote. Y a pas de souci. Je crois que j'ai plus d'oko que tu n'as de cavalière. Eh ben non, c'est faux. On en a quatre chacun. Non, j'en ai 3 de cavalière, je crois. Ah Non, non, t'en j'ai as 4 quatre. cavalières et 2 Voilà, parce que là aussi, meurde-rousse. ça pioche en aventure, Ouais. donc c'est bien. Et d'aventure en aventure. Nani nani nani. Ok, ça c'est le play faible, ça me va. Voilà. C'est le play faible. Ça va ou quoi? J'adore quand tu fais le play faible. Le play faible, c'est généralement quelqu'un qui travaille au gouvernement. Ou le play faible de police, truc comme ça quoi. Ouais, c'est le plus faible de région, quoi. Voilà. On peut faire des trucs cool, on peut faire des trucs moins cool. Ah, et Noxious Grass Main Deck, c'est quand même chiant ça. Non. Si, quand même. Non, pas du tout. Non, mais Non. arrêtez, mais non. Moi, je trouve que c'est de la merde, moi, on va pas se mentir. Bah c'est nul là, votre truc là. Ah, Allez, c'est bidon. les taverniers, ça dégage. Tavernier va pas faire très long feu, non, Bah pour effectivement. 1, je draw 1, je prends l'anti-bête, c'est ok. C'est cool. Ah, j'aurais pu attaquer. Ah, quoi que non, je crois que j'ai envie de garder mes 1. Je suis à 11 quand même. Blague refusée. C'est quoi le pire, se prendre au côté 2 ou Nissa tour 3? Nissa tour 3, c'est pire. Ouais, Ça dépend le deck que vous avez, franchement, mais. c'est assez difficile de remonter En de fait, Nissa tour 3, je ouais. trouve que Oko tour 2 ou tour 3. C'est plus Je fort crois que tour c'est 2, mais pas. ça change pas énormément suivant le deck que vous jouez. Alors que Nissa, si vous le prenez tour 3 à la place de tour 5, vraiment ça n'a plus rien à voir quoi. En fait, Nissa tour 3, détaper après Nissa tour 3, c'est plus fort que Oko tour 2, mais. Ça Ouais, je dépend sais pas, celui qui passe le tour. franchement, ça se vaut, hein. Vraiment. Hein. La question est incroyable, elle mériterait un débat à l'Assemblée, quoi. Ouais. T'es obligé de parler comme ça quand t'es politicien? Comme ça, voilà. Ouais, un Non. petit peu comme ça, quoi. Je veux dire, Bah non, voilà. regarde Jean Lassalle. Ouais, c'est vrai, mais est-ce qu'il est politicien, Jean Ah Lassalle? bah il est politicien de métier et franchement il parle pas du tout comme ça. Il parle plutôt comme ça. Les chevaliers du Béarn. Il parle, il roule un petit peu les mots, quoi.
Alors, qu'est-ce qu'on Bah, il fait aime bien le si... rubis, quoi. Ah, le rubis, l'ovalie. Qu'est-ce qu'on fait ici? Où est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on va? Poisson, pas poisson. Dédicace à Lancelot qui m'a fait découvrir cette ref. Magique Lucas, je place Grull pas très bien placé par rapport au deck Oko en général. Mais ça reste un bon deck qui peut matcher tous les autres decks du méta et qui a aussi une possibilité de gagner sur de très bonnes sorties contre les Oko decks. Mais ça reste moins fort que Oko, quoi. C'est vrai, Prométhée, on se calme sur le sud-ouest. Mais c'est tellement rigolo les accents. Après nous, on se moque de notre accent du sud. Tous les accents y passent, tu vois. C'est ça qui est rigolo, c'est qu'on a tous des accents, quoi. Ah, c'est horrible, t'as deux manas des tables, je sais qu'il y a un anti-bet qui va partir quoi. Ah bah vas-y, hein. Pff, écoute, faut y aller de toute façon. Si tu sais, donne. Salut vous. Ah, ça passe. Bah, tu vas peut-être juste faire un petit fou deux. Je sais pas. Est-ce que je suis obligé de te le dire? Ou alors tu vas déléter mon chevalier putréfondrière, tu vas dire ah oh non, ça non. Ah, tu peux passer noir. Je peux Oh! pas faire ça. Le défaut dans la cuirasse. Ouais, ça va. Il y a pire comme défaut. La musique dans la peau. L'accent parisien, ouais, je pense que c'est pas vraiment un accent, c'est plus une façon de parler et de prononcer certains mots. Si, c'est un accent, on va pas se mentir. Comme. Nous, on a un accent, ils ont aussi un accent. Rose, du lait. C'est un accent. Oh, c'est bien joué, ça c'est le blé faible encore. Après, mon deck est peut-être un assemblage de plaies faibles. Hein. Je. C'était un plot twist. Des plaies faibles alignées qui créent une synergie Un forte. plaie fort. Bah, plein de plaies faibles, c'est un plaie fort. Tu sais, moins par moins, ça fait plus, hein. Ah, j'ai fait un peu de maths dans ma vie. Hèche, comme tu dis. Hèche, hèche, hèche. J'ai fait un peu de cam, attention. Du coup, ça fait quoi à Laval? Ça prend prise Voilà les délétère. boss. Ça prend juste en prise délétère, Ça meurt, mais pas tout de suite. Ça meurt ouais. plus Ouais, tard. voilà. Après, en vrai, c'est un outil de beatdown dans ton deck. Ça fait pas Krasis derrière, donc je m'en cague un peu. Pour être poli, bien sûr, hein. Attends, va pas croire que. Cacte-toi-en un peu, Val. T'as raison. Voilà. Pas croire que je suis véhément, hein, loin de là. Juste, j'en ai un peu rien à fiche, quoi. Ça n'a pas pris en prise d'éther, c'est très bon signe. Bah, je t'ai dit, rien à foutre, pour être Il y en poli, a deux encore une qui sont fois. partis quand même. Je sais que ta version en joue 3, donc c'était déjà pas mal d'en avoir deux. Ah, bah elle est là, elle. Salut. Je t'assure que chez moi, c'est plus menaçant. Ah, bah vous étiez là, mais vous étiez là aussi. Comment vous avez fait pour être là et pour être là? Alors, Je sais il me pas, fait j'ai fait deux marrer, il fois le veut me tour, je suis revenu sur la déconcentrer. même. Je ne rigolerai plus à tes blagues. C'est assez Je ne veux drôle plus parce rire. qu'avec le Chromecast, j'ai sur mon téléphone quand Madame PL regarde un truc et j'ai la télécommande, donc là je peux mettre à pause si je veux. Ah, Voilà. tu peux changer ce qu'elle est en train de regarder. Je pourrais changer, mais je pourrais juste mettre à pause, augmenter le son, couper et tout. Trop bien. Je vais pas le faire, ça sert à rien. Fais-lui des pitous. Feinte. Mais des fois. Sinon, on fait des sondages, on fait des polls sur le chat et on voit sur quelle chaîne tu mets Madame PL. Non, c'est pas une chaîne, c'est genre quand tu es sur un service de VOD, n'est-ce pas? Ah, bah quel VOD on lui met? Allez, un bon petit documentaire là sur le narcotrafic, voilà. C'est vrai qu'il y a masse de documentaires sur ça sur Il y en a Netflix. beaucoup. Qu'est-ce qu'on fait ici? Où est-ce qu'on va? Qu'est-ce qu'on fait? Rossez-vous fort. Ah, c'est vrai qu'on doit s'entraîner pour le GP Lyon. Il n'y a jamais eu un Rossmoi qui était aussi. Aussi détente. Mais c'est pour Ouais, ça, parce que là on est cool. n'importe comment. Mais il est en train de me prank là. Ouais, je fais ça, et derrière je fais un truc Et sale quoi. voilà. Merci beaucoup à Mazikaza qui offre un abonnement à Bobo the Best. Merci beaucoup. On peut faire plein Bon, allez, viens, de trucs on se là. refocus un coup là. Ah, Non, mais j'ai je crois toujours que été je me focus. suis pas entraîné en une semaine, mon cerveau veut plus là. Mets-lui l'entraîneur de rubis. Ah, bah c'est bien, tu en as là du mal. Enfin, tu vas pouvoir en piocher des cartes.
Et ouais, c'est bien ça. Oh, c'est intéressant ça, Val, ce que je viens de piocher. Et voilà, on a les tu bluffes. Ah, je crois que je le fais là. Oh, fais-le, vas-y. Ah, je me laisse pas avoir. Je me laisse pas avoir. Merci beaucoup à tous les subs, Very Bad Bunny, Kinimato et Divi Vie la Nuit. Est-ce que je laisse résoudre ça? Il pourrait sauver Bête de Quête et Bête Frappée d'Amour. Il pourrait sauver un land. Ok. Hop. Yes. Alors, quel est le meilleur play ici? C'est en haut à droite. Non, non, c'est pas en haut à droite, non. Bah, j'ai quand même dit ça avec du mana, donc j'ai des trucs à faire, quoi. Ok. J'avais dit à gauche, pignon. N'engage pas cette forêt, Val. Putain, il y a la crasis, quoi. C'est pas possible, ça. Hein. Va falloir que je te le dise combien de fois. Ça va, tu passes fin de finalité, le tour où je dois faire la plus grosse crasis de tous les temps. Tu vas quand même pas te plaindre. Tout de même. Non, mais c'est fou. Il ose se plaindre. Ne te plains pas. Laisse-moi m'amuser aussi. Ah, j'ai bien amusé, Val. T'inquiète. Ça okay. Rage ici. Oh, c'est que t'es pas, c'est pour rigoler. C'est pour le show. En vrai, je déteste Magic. Non, je rage. Je rage, y'a pas de show. Allez, ça, ça dégage déjà. On pêche une petite carte, voilà. Ouais. On peut poser ça. Attaquer. Oh, bah attends, t'as l'étal là. Ça. Alors, notre. Non, t'as pas l'étal. Non, j'ai pas l'étal, non, non. Mais pas loin. Après, on va pas être loin. Ouais. On va aller par ici. On va te mettre à 3, ouais, tu finis ça. Et on va concéder de mon côté. Eh ben écoute, vas-y. Je regarde ma draw. C'était trop une bonne draw, mec. Franchement, je devrais pas concéder, quoi. Je vais le faire, mais c'est pour te faire plaisir. Prochaine fois, je concéderai pas. Petelette. Allez, GG. On est reparti. GG. GG, chache. Alors ton deck il est un peu spécial donc c'est dur. Non il est normal déjà, comment tu parles de mon deck? Déjà voilà. Alors fin de la Légion. En fait dès que je vois des Krasis, j'ai trop envie de mettre fin de la Légion, tu vois. Je ouais, me dis mais ça c'est attrape pas tes landes, tes Krasis, tes accélérateurs, mais c'est pas dingo quoi. C'est pas le play en tout cas, sache-le. Mais genre, j'ai vraiment envie. En plus, j'en vois 3 de ces. Genre, allez, vas-y, quoi. Allez, allez, vas-y. Ouais, ça, c'est nul contre lui, quoi. Mais alors, c'est bidon. Et c'est dombi, quoi, vraiment. Je me demande si Rituel de Suisse c'est bien contre toi. Ça attrape bien tout. J'ai une bonne réponse, c'est pas très bien. Ça gère ni le Planeswalker, ni Méchant Loup. Ah, il y a Méchant Loup, putain. J'oublie toujours ce satané loup. Non, c'est assez mauvais. Assez mauvais quand même. Hein. Ouais, ça c'est pas ouf en vrai. Ok, je pense que je rentre ça. I'm on the play. Tu sais, s'il décide, le chevalier putrefond de guerre, moi c'est toujours ma tech, mais. Bah non, parce que contre moi c'est plutôt chiant. Ouais, mais ça m'empêche d'attaquer. 4, quoi. Non, je pense qu'il faut pas être décidé. Après, je sais pas, hein, j'ai pas tryhard de Golgari Adventure. Adventure. En fait, j'ai envie juste de rentrer des cartes et de dire go. C'est pas comme ça que ça marche. Alors là, vraiment, je sais pas quoi ça a aidé. J'ai rentré les deux emprises, les trois voiles de l'été et la Liliana. Mais je sais pas quoi enlever. Peut-être que Nissa est pas très bien contre toi. Après, ça m'a fait gagner là. Ouais, mais soit pas résultat en titre. Ça t'a fait gagner dans un spot particulier. Nissa, c'est bien pour pressure les decks aggro. C'est pas forcément incroyable contre moi parce que à Nissa égale, je vais faire plus de value. Ouais, je pense que j'en ai une.
comme tout ce qui est Turlupin, Bête de quête, c'est pas non plus incroyable. Toi, tu veux Turlupin, essayer ça, d'avoir. ouais. Bête de quête, j'aime bien quand même. Hein. Je peux cutter une bête de quête, une vivienne. Faut pas toutes les cutter, mais c'est pas le plan de jeu principal. Bête de quête, ça se fait défoncer par méchant loup. Je pense que là, j'ai enlevé une druidesse de paradis, une bête de quête, une vivienne, une Nissa. Ah, c'est ballot ça, Bolob. Hein. Et les deux turlupins, qu'est-ce que t'en penses? T'as enlevé quoi? Tu m'as dit Turlupin, Nissa, J'ai enlevé et quoi une d'autre? Nissa, une Vivienne, une bête de quête, une druidesse et deux turlupins. Ah, si t'es sur le draw, t'enlèves toutes tes viviennes. C'est horriblement pas bon. Ok, du coup je remets Nissa. Ouais, si t'es sur la draw, vraiment vivienne, ça c'est décidé tout le temps. Je regardais les tables de side de Rémi Fortier qui joue de vivienne et je crois qu'il garde Non, je vais jamais ses cutter viviennes. un Lord de minuit parce que contre toi, mes créatures meurent pas trop et je laisse une druidesse. Ouais. Ok. Ouais, je peaufinerai les tables de side, les gars. Là, je vous avoue que ça fait longtemps que j'ai pas joué ce deck. Ouais, puis tu surtout tu Et pas, pas pas cette version. tu découvres entre guillemets, mais c'est tu le jouais dans une autre méta avant. Ouais. Ouais, bon, on va garder cette main. J'ai du mal à faire des mains bien. C'est fou, monsieur PL dévore tout. Hop là. Ok. On va gagner du temps. Ouais, vas-y. Il n'y a pas trop. Je sais ce que tu joues, donc t'as pas grand-chose à cacher, quoi. Ouais. Ok. Bah justement, ce serait pas forcément les deck tech qu'on présente à distance, Nalak. Ou alors, si c'est les deck tech, comme je disais à Val, de deck un peu top tier, on peut justement se rosser et du coup vous montrer un match-up spécifique plutôt que de tomber des fois contre le ladder, contre bah Jean-Jacques, Simic Flash, ça n'existe plus, mais lui il le joue encore. Enfin, encore ça existe un peu plus là, mais fut un temps Ouais, c'était vraiment non, mort. mais on prend un exemple quoi. Mais des fois, on veut présenter une deck tech, on veut cibler certains matchs et tu tombes jamais sur le match que tu veux. Et bon, après, on fera pas que ça, mais c'est vrai que de temps en temps, pour certains matchs spécifiques, ça nous donnerait l'occasion de s'affronter. Ouais. Ok. J'ai une main particulière mais qui bat bien en prise délétère du coup vu que j'ai un deuxième Oko. Bien sûr, j'ai Homage. Mais moi, je vois pas pourquoi vous avez un problème contre mon t-shirt, hein, je le trouve très bien. Ne fais pas attention aux commentaires vestimentaires, on s'en fiche. Ouais. Va protéger cette petite Nissa. Bien joué. Ouais. Ouais. Ok. Ah putain, j'avais pas vu comment s'engager. Ouais, tu peux le faire fin de tour aussi, ça. Ah, tu cherches spécifiquement un terrain, pardon. Peu déçu. Alors, qu'est-ce que tu nous proposes de beau là?
Ah, désolé, j'ai pas, Ouais, pas bien le temps. joué. Ah, t'avais que 10 cartes, t'avais déjà eu Effectivement. en prise de l'éther, donc je me dis peut-être que t'as pas touché Ouais, j'étais toutes pas les cartes. disposé à laisser résoudre ça. Quand même, en prise de l'éther, de Oko, vol de thé, hein. Ouais, je fais une sorte, mec, je fais Bonne une petite sortie de sortie. Gaïa. Je fais rien, je fais pas d'oie, j'ai rien fait les 3 premiers tours. J'ai 2 Oko, 1 voile. C'est pas non plus. Ouais, c'est vrai. On n'est pas Byzance là, franchement. Hop là. Alors, pourquoi se prendre bête de quête? Je me tâte. Je crois qu'il faut que j'y l'étais une fois maintenant. Le Val de l'été. Ouais, c'est sympa une oie en vrai. C'est ok, hein. Quoi? Quoi, quoi. Je sais pas si je suis dans un setup à l'agression. Je dirais que non. Étonnamment. Je dirais que si je peux protéger Oko le plus longtemps possible, je le fais. En fait, j'avais juste une main qui battait une sortie réactive de ta part, mais je faisais rien sur une sortie proactive, quoi. Ouah! On continue. Ouais, bah ouais, Ok. hein, t'as raison. C'est un land. Donc ça suffit. C'est un bon land en plus. Petit token, ouais, pépouze. Go. Eh ben oui. Je récupère ça si tu permets. Merci. Vas-y. Je me battais pas pour avoir mes lampes déjà. Ouais, le mana d'Aignol, ça marche bien dans ce match. En général. Après, Quand je dis ce match, je parle pas de Smash Bros. je loupe de land drop aussi, donc si en plus ceux que je trouve, tu me les enlèves. Ouais, après t'as 5 mana depuis 3-4 tours. Hein. Donc je sais que t'as des plays impactants à 6, mais tu faisais pas rien, quoi. Non, Moi ça non va. plus, j'ai jamais eu mon 6ème land là. Donc c'est even. Je réfléchis. Ouais, faire comme ça. Oh, pardonnez, j'ai mis un coup dans le micro. Je peux pas attaquer dans le chevalier de putre fondrière. C'est bien dommage. Ouais, c'est pas fifou. Et bien sûr, hein. Bonne nuit à toi, Xavier Le Polac. Merci d'être passé. Et merde. Ah bah, c'est une grosse Nissa, hein. Bon, ça va, t'en as trouvé deux en 17 cartes, c'est pas mal. Ouais. Mais toujours pareil là, t'as des 3-3 et du coup mes lands c'est. Ils sont juste là pour faire Zéro. joli quoi. Alors. Ah, t'as pas fait de token. Je pouvais pas, je l'ai joué le tour d'avant. Non, ton droit tu pouvais faire un token là. Je l'ai joué. Ça fait 2 tours là que tu l'as. T'es sûr? Ah sûr. Parce que au tour précédent, t'avais 6 mana avec loi. J'avais compté. Alors attends, le tour précédent. Ah ouais, ok, j'ai un doute, hein, parce que dans ma tête, persuadé, je pouvais pas. Ah J'ai si, même tu pas pouvais. fait attention. Alors. Nissa, quel plaisir. Je
Si on attaque avec tout dans Nissa, tu bloques les trois plus grosses, tu perds tes terrains et je mets deux à Nissa. Intéressant. Et si on fait comme ça? 1, 2, 3. Je compte, hein, pardonnez-moi. Ouais, c'est pas fifou quand même, hein. C'est pas fifou du tout. T'as trois cartes en main encore? Et 1, 2, 3, Éviter 4, le zoom 5 sur Nissa terrains. de 5 minutes, c'est-à-dire Didas. Ah, parce que vous parlez de Nissa, donc je l'ai montré. Généralement, quand vous parlez d'une carte, je la montre pour voir. Pour que vous la voyez en grand, peut-être pour lire ou quoi. Ouais, j'ai l'impression que là, maintenant que tu as du mana, c'est moi qui vais perdre à attendre. J'arrive pas à enchaîner des cartes dans mon deck, je fais que piocher des trucs pas pertinents, donc Ouais. je suis obligé de. Je pioche des Pressuriser. doublons locaux et c'est des cartes mortes quand t'en as déjà un qui tourne. Je suis obligé d'y aller en fait, malheureusement. Même écrire en aventure, c'est de la pioche si j'ai un tavernier en fait. Ouais. Je peux pas la sauver, donc je vais juste prendre les bons trades. Ouais, tu peux la sauver, hein. Comment? En donnant ton land et en bloquant avec la 1 dans ma 2-1. Dans une 3-3 et je mettais que Ah 5 ouais, points avec un 3-3 j'en et la mettais à 2. 1, mais je perdais un land, je perdais tout quoi. J'ai qu'une forêt, donc c'est pas worth de faire ça. C'est ce que j'espérais, hein, de toute façon. Toujours pas de land. Ah bah je veux jamais que t'aies le sixième mana. Hein. Vu que moi je fais rien. Ouais, 5 points. C'est plutôt classique. J'ai passé quand même 3 okos dans la game, malheureusement. Et ça, c'est. Ça sent pas très bon, quoi. Ouais. Ça bloque bien. Ouais, ok. Bien joué. Ouais, je pioche des doublons de mort, de voile de l'été qui servent à rien, quoi. Parce que j'ai rien. Enfin, j'ai un plan de jeu réactif. Quand toi, tu trouves pas tes landes, c'est horrible. Je sais pas pourquoi le jeu sort à l'envers comme ça. Et. J'avoue. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Et voilà, j'ai pioché 3 voiles de l'été, 3 okos. Je n'ai rien fait Ah d'autre de la putain. game. C'est les seules cartes Mais que j'ai piochées. moi je voulais mes interactions pour les gérer et je les ai pas piochées donc. Mais t'imagines? C'est-à-dire que j'ai fait tout le début de game avec 3 voiles de l'été, 3 okos et des landes. Donc c'était dramatique pour le coup. J'étais en PLS. Ouais, j'avoue, Prométhée, là, je peux pas lutter ce soir, quoi. C'est fou. Hein. Franchement, j'ai jamais vu ça, que le paquet me fasse ça. Je suis outré, quoi. Vraiment. J'ai trouvé 4 cartes de réaction anti-réaction et 3 oko. Genre, pas un Wolf, pas une Krasis, pas une Nissa. Ça va que là j'ai pioché une Krasis. Ouais, j'espère avoir plus de chance au moment du GP. Du Il faut GP. exorciser maintenant, Val. Ouais, j'avoue. Il vaut mieux des chats maintenant, que ce soit toi ou moi, plutôt que là-bas. Eh ben, rien qui vole chez moi. Ouais, je vois bien. Bien cloué au sol, quoi, ce board. Ouais. Évidemment, maintenant je trouve des accélérateurs. Ah J'avais bah, la bien besoin de prochaine ça. crasi, ça va être énorme. Ouais, la prochaine sera bien si on a une, quoi. Parce que le problème, c'est que toi, dès que t'as 6 mana,
bah t'es un vrai play quoi. T'as probablement ou Garruk ou un Fine. Après Fine là ça t'arrange pas des masses mais. Mais ouais, je sais pas trop. Ouais voilà, Garruk est là. Je suis là en mode bah ok Garruk, je gère pas quoi. Après, t'as de quoi gérer, hein, mais il faut piocher. Oui, c'est ça. Ok. C'est con, j'ai une 5-5, je peux pas attaquer. Yes, my turn. Non, franchement, ce soir, ça voudra pas. Je suis Ah désolé, je merde. peux rien faire. Ah, mais j'avoue, tu pioches à l'envers en fait. Je pioche Et ta main de 3 départ, trois, tu gardes quoi en non, main de mais. départ? Je garde une main. Alors, je mulligan parce que j'ouvre une main avec 5 lands, un Oko, un Veil of Summer. Ouais, Et la meilleure après, main ma main. donc. Comment? La meilleure main du coup. Ouais, trop bien. Et après, je mulligan, je crois, dans. Je crois que je mulligan dans Il était une fois, double Oko, Emprise délétère et deux lands, je crois. Ça va, non? Et voilà. Bah ouais, ça pouvait aller, ouais, carrément. Enfin, genre la main était ok quoi. Ouais, elle était gardable en tout cas. Alors, pourquoi pas défoncer Akrasis avant l'attaque? Parce que si jamais il me posait une Nissa ou quoi, je préférais tuer une Nissa qu'une Krasis, parce que j'avais Garruk après, donc Garruk pouvait gérer Krasis. Sauf que là, je préférais faire Garruk tout de suite du board, plutôt que qu'il gère une Krasis. C'est plus value. Tu peux attaquer. Alors non, là je peux pas attaquer parce qu'il bah, il a que des value trade par rapport à mon board, donc non, je peux pas attaquer. Et on me dit que je peux attaquer avec le chevalier 1-1. Alors oui, il va sûrement laisser, enfin, il peut le laisser passer, sauf que moi, j'ai plus un bloquant du coup pour ses créatures. Et sinon, il peut aussi le trade pour que moi, je ne l'ai plus. Ce qui m'arrange pas forcément. On va faire une petite phase d'attaque là. Il y a deux petits loups qui vont passer tranquille, je pense. Ouais, ils risquent de passer, ouais. C'est pas sûr. Non, parce que peut-être qu'au point où j'en suis dans la game, mon seul edge c'est. Ouais, non, mais attends, t'as pas fait ton effet de Garruk donc. Non, je suis obligé de les laisser passer, ouais, effectivement. Si t'avais déjà fait un effet de Garruk, peut-être que le play c'était justement de les laisser passer pour top decker Noxious Grass, mais. Avec la 5-5, il bloque avec 2-3-3, j'en tue qu'une, donc c'est pas worse du tout. Je trade une 3-3 pour une 5-5. Ah ouais, non, mais moi je peux pas attaquer, hein. Non, mais moi, sur mes attaques, avec Ah tes oui, bloquants, étonnant. c'est juste faire de la dévalue, et là, je suis devant, donc ça Ouais, a t'as rien de pas besoin prendre des de jouer. risques. Clairement pas. Là, je joue pas mes trucs en aventure, parce que j'ai déjà le board, et que ça me fera piocher sur un tavernier si jamais Bah il ouais, a il une faut les Vras ou garder. quoi. Je pense qu'il a rentré les Vras. Je sais pas si on a onside. J'ai rentré une vrasse sur la draw, ouais. Une race. Sur la draw, donc tu l'as pas rentré. Exactement. Alors j'ai ça. Ouais, c'est un Ah non, bon sur le play, truc. pardon. J'ai rentré une vraie sur le play, je dis des bêtises. Et là, si t'as Veil, je peux pas tourner autour de Veil of Summer, je peux pas laisser Garruk continuer de tourner. Là, il faut que je temporise maintenant. Et si t'as Veil of Summer, je concède. Et j'ai de la chance, tu l'as pas. Tu l'as pas, je peux pas attaquer. On est sur un board bloqué. J'ai des meilleurs top decks que toi. Toi, ton meilleur top deck, c'est Innkeeper. Moi, c'est Krasis. Je Oh, connais toi, la ton carte meilleur que je top deck, c'est pioche. Garruk aussi. Hein, mais on a tous les deux Garruk aussi. Donc ouais, t'es quand même un peu devant, hein. C'est difficile. Garruk est si fort que ça, bah, il tient bien le board en fait, Excalibur. Il tient bien le board, tout simplement. C'est pas non plus pété, mais quand t'es devant, il te laisse bien devant, quoi. Ouais, alors là, par contre, pour le coup, je vais pouvoir juste manger les loulous. Ça mangera pas de pain. 9, 10. Ouais, elle est de trop cette druidesse de Qu'est-ce que paralyse. c'est fou là, elle a? Et je vais descendre à 10 comme toi, je crois. Ouais. Hop là. Ouais, je crois que là, c'est Krasis or die pour moi. Ça commence à. On commence à se rapprocher de ça, quoi. Oh, je mets 4 marqueurs sur Garruk. Sur rien. C'est bien, hein? Je sais pas si c'est vraiment worth l'attaque, mais bon. Ça dépend quels sont tes plays derrière. Ah ouais, t'en joues un sans Innkeeper? Histoire d'être mana efficient? Ouais, en fait, si tu attends Linkkeeper toute ta vie, au bout d'un moment, bah, tu vas avoir plein de cartes dans ta main et tu t'en sers pas, donc. Ouais, j'ai pas mal de food, effectivement. Après, est-ce que j'ai envie de claquer des food? Je Ouais, joue je ça peux parce claquer. que j'ai pas trois forêts dans ma main. Si j'avais que des landes ou des trucs inactifs,
J'aurais gardé pour justement piocher au cas où. Ça viendra jamais, vraiment. J'ai beau attendre, Après, là, mais. tu t'en peux bien. Ouais, carrément, parce que j'ai une armée de food, mais. Le problème, c'est que je m'en parlerai dès que t'as un payoff, quoi. Ok. Meurtrière pour en avoir une de plus dans ton deck. Qu'est-ce qu'il peut me faire comme tricks? Il peut pas donner Death Touch. Non, je sais pas. Massacreuse, Massacre Girl, t'as déjà tes druides pour l'Enabler, donc je sais pas où est le play pour Cavalière. Je pense que remonter en pève m'offre des plaies à terme et là la 2-3 ne sert à rien. Ok. Donc je pense que c'était pas mal. Ouais, et tu vas en récupérer une dans ton pack Et plus tard aussi. en plus voilà, ça m'augmente les chances d'en piocher. Donc voilà, elle est tout au fond, mais si je mélange mon pack, ouais. Je pourrais en jouer. Bon, alors, Problème de à un moment, j'aurais. toutes tes oies et toutes tes Pardon? foot, c'est que je peux pas te mettre la pression et te forcer à faire des Ouais. trades bizarres, quoi. Bon, à un moment, je vais avoir des bonnes draws. C'est obligatoire de toute façon. C'est mathématique. Et quand je vais commencer à avoir des bonnes draws, je pourrais peut-être revenir dans cette game. On va rester à 15, ça paraît suffisant. Ah non, toujours pas. Je Ouais, vais d'abord passer tous les accélérateurs de mon deck. je l'ai vu après, ma Ushojo le play, mais du coup je me suis dit que Alors regarde pas le chat, sinon tu vas comprendre, voilà. Ouais, ça marche, pas de soucis. Et je me suis dit que du coup que je pouvais tempo, mais il y a eu emprise délétère, quoi. Alors quand j'aurai trouvé mes 4 druides, mes 4 rocos et tous mes terrains, je piocherai des cartes. Ouais. Ah oui, c'est vrai que t'as tellement de mana, tu peux me donner une druidesse. Je peux te donner une druidesse. Est-ce que le double bloc est worse sur ta bête frappée d'amour? Je suis puni par un anti-bête, mais tes anti-bêtes c'est Noxious Grasp. Et si ça passe sur un token 3-3, c'est probablement worse. Je pense. En tout cas, j'accepte d'être puni sur un anti-bête. Je me demande ce que tu pioches toi pour ne rien développer. Ça c'est pas mal par contre. Ok. Ouais, un petit token. Yes. On sent le sel, Val. Je Ah, je. bouille-bouille, mais c'est un peu dur là. Je sens que je suis devant, mais genre je peux rien faire, quoi. Je suis dans une situation où tes créas me bloquent, tes oies font que t'as 8 fois 3, t'as 24 points de vie supplémentaires là en plus de tes 15. Ouais, Donc j'ai de la chance effectivement. que tu pioches rien depuis tout à l'heure, parce que sinon en vrai je passe de largement devant à largement Bah, bien derrière. sûr. Mais bon, t'inquiète, je vais continuer à piocher 1 milliard de land. Ah, ça T'inquiète va. pas. J'ai envie de Mais ouais, dire carrément. Bah, un si peu je comme la piochais pub Loto, hacker le tour, bah, tu vois. Si je piochais une Kradis ici, ouais, on serait pas dans la même game. Artesano de la qualidad. Ouais, quand tu rentres trop d'interactions, c'est le syndrome du si ton adversaire fait rien, bah tu fais rien non plus, quoi. Il est toujours là, ce marais, hein. Il Il est était toujours animé par là. Nissa et ensuite elle est morte, mais lui, il est toujours là. Est-ce que je prends 8 et je gagne 1 milliard? Ouais, probable. Hein. Je prends que 2 théoriquement si je sacrifie 2 food là. Ouais. Il faut pas le faire. C'est un peu tirste. Ouais, Ça bon, t'apprendra à pareil. Lancelot. Je reprends l'interaction sur un des. Ça me va. Comment ça me bandait à ton histoire?
Ouais, mais tu vois, ça c'est un truc que tu passes pas si je trouve un play fort, tu vois, C'est sûr. pour revenir. Et allez, on met la cavalière. Yes. La cavalière est arrivée. Lol. Tat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 
Faut que je pioche des landes, mec. T'as pioché un land là? Bah ouais. Mais sur Krasis, j'ai pioché un land et une Nissa que je vais te révéler maintenant. Ah, sur 4 cartes, t'as révélé quoi? T'as pioché quoi par deux landes et une Nissa? Une autre Quelque Krasis? chose dont je peux pas te dont je Ah. peux pas te parler. This is a side deck card. Ouais. Ou pas. La énième forêt. Ouais. Une forêt de plus, quoi. Ah, tu Bon, joues la ça va, je carte la peux plus jouée craquer. du standard. Voilà. C'est Bah, ça forêt? neige. Ouais, c'est vrai. Non, c'est pas la carte la plus jouée, mais pas loin. C'est Druidesse de paradis, je crois. Ouais, c'est ça. Bah, tu les Une joues aussi. cyclette. Cyclette Ah, je peux te mettre 3 points. Ils sont gratuits, quoi. Ils sont gratuits, ils sont gratuits, ils sont gratuits, ouais, ça va, ils sont gratuits, on va pas s'emmerder. Et je J'étais en bloque mode à là, tu fais quoi? réfléchir. Est-ce qu'ils sont gratuits ou pas? Bah, c'est bien, parce que c'est ce que j'aurais fait de toute façon. Donc... Et au moins, tu Ouais. l'utiliseras pas. Voilà. C'est vrai que c'est du mana que je peux utiliser, donc non. Je vais prendre 3, je crois. Je crois qu'il faut que tu prennes 3, ouais. Allez, une Krasis, s'il vous plaît. Krasis is good. Oh putain. Sur 26 cartes, il me reste 3 Krasis, mec. Ça va monter, hein. Et là, si je pioche une Krasis avec toutes les forêts, t'es pas bien. J'avoue. Oh, punaise. Tu gagnes 9 points de vie, t'es à 18. Tu bloques ça et ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ouais, je te mets que 9, quoi, c'est dégueulasse. Mais Non, ça bon. va. On y va. Bah, n'hésite pas, ouais. Et c'est parti. Alors, Si tu la où est-ce que gagnes, tu je me fous par terre, voilà. vas? Je me fous par terre comme ça, je combute. Mais gros, je vais la gagner, hein. T'es pas prêt, hein. Le mec, il a gagné 1000 points de vie, quoi. Plus de 1000. 9, 10, 11. Ça fait 16. Je peux Notre gagner un que va la 19 mana up. Ouais. 22 même avec Nissa et. Enfin, full d'étape. Et avec cette île 23, et avec cette oie 24. Je prends 16, on est d'accord. Hein. Faut que je craque le bon nombre. Avant de décéder. Ah non, mais tu peux tout craquer en fait, j'avais pas compté Ouais, je peux tout les craquer. landes en double. Le mec est chaud, quoi. Je peux tout péter. Du coup, je prends 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 et 5, 16. On est d'accord. Je ne peux pas mourir ici. Est-ce qu'il peut buffer de quelconque manière? Mais non, Attention, je crois pas. Val! Ouais, je prends pas le risque. Je sais pas qu'est-ce que tu peux avoir, mais je vais tellement le regretter si jamais je prends pas ce dernier food. Je sais ce que tu vas manger, et c'est pas super bon. J'aurais pas un Murkrift quand même. Je laisse deux druides de paradis d'étape. C'est pourquoi les trucs là. Ah, posez pas trop de questions comme ça, vous m'énervez. Pas Allez. besoin de savoir, ça vous regarde pas. Ouais, bah évidemment, Je joue ouais. pas 4 voiles de l'été quand même. Je m'en serais douté. Non, non, bah, je crois que 3 c'est trop, hein, au vu de ce qui s'est passé. Mais quand je les ai vus tous passer, j'ai dit, ouh, c'est nickel ça. Bah, je crois que là c'est Krasis or die. Je suis même pas sûr que Krasis me fasse vivre ici. Sinon, j'avais des taverniers dans mon pack, je crois. Ouais, j'espère qu'ils vont y rester un sacré moment. En tout cas, 0 tavernier sur bientôt la moitié du pack. On est sur un ratio de moins 2 en termes de pioche. Attends. J'attends, Ok. Val. Oh, ouais, j'attends. Non, tu m'as dit attends, donc j'attends. Putain, c'est fou, gros. C'est Bah, quoi j'ai fin du perdu, je crois. compte? J'ai perdu. Je pioche que des landes, gros. C'est pas Putain. possible. Je suis fou, gros. Vraiment,
Ça me rend dingo. Je comprends. Mais je comprends, genre, très fort, quoi. À ce point-là, franchement, je sais pas si c'est pas une première de voir ça. Hein. J'en ai fait des belles, hein. Je sais pas si j'ai la palme, mais. Je sais pas si les games étaient si longues. En vrai, ça t'a vite fait mourir de piocher trop de land, tu vois. Ouais. Ah non, là, Là, aussi long, non, c'est vrai, ouais. j'ai le temps de vraiment de voir tout mon deck, quoi. Genre, tu prends les 20 dernières cartes de mon deck, tu délires, quoi. C'est genre, le mec vole cette partie-là du deck, il est riche. Alors, attends. Est-ce que je peux attaquer avec cette île ou pas? En fait, là, t'es en train de dire que si je t'invite à dîner, tu serais le con de mon dîner. Fort probable. Les beaux mélanges. Ah bah ouais, c'est un beau mélange, ouais. Ah, le beau mélange. Ah, c'est un bon mélange, ça. Ouais, Ah, je bah peux tiens. attaquer. C'est gratuit. La roue tourne à tourner. Toujours, hein. Cette bonne vieille roue tourne. La roue tourne à tourner, Val. Eh ben ouais, malheureusement. C'est Ribéry qui l'a dit et Alors, tu visiblement, gagnes. il était dans le turfu. Tu as 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 mana. Donc tu peux tout sacrifier. Tu gagnes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je vis encore, mais pour combien T'es de temps? à 17. Tu peux bloquer la 5, 5. Et la 3, 3, tu prends 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok. Ce qui est pas mal. Donc on va déjà voir ce que tu as dans le ventre. Voilà. Vas-y, vas-y. C'est fou parce que j'ai pioché très peu de land. Et quoique là tu trades. Non, c'est ok. J'ai pioché très peu de land. Il est nul, Mais cette même les manière cartes d'avoir. actives, elles étaient pas dingues, tu vois. Trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf. Je peux juste prendre neuf. Trois, quatre, cinq, six, sept, C'est huit, sans neuf. compter ma Umbercleave. Bon, encore une fois, on va passer un temps infini à manger de la bouffe. Un mec il a plus faim quoi. J'en ai plein le cul. C'est le mec qui fait des concours de hot dog là. 4, 5, 6, Les 7. concours de gros mangeurs. Blam. Je les bouffe tous parce que je vais trouver une Krasis maintenant. Du coup, j'aurai pas de mana. Je serai pas mana efficient. Je les bouffe, mais vraiment tous, quoi. Jusqu'à plus faim. C'était bon, hein. Oh, bien joué. Félicitations. T'aurais pu attaquer avec la 5-5, du coup. Ouais, je voulais garder la pioche pour plus tard et du coup ça m'apprendra. Tuto vomi par Val. Ah, s'il vous plaît, une Krasis maintenant. Je vous en supplie. Juste pour rigoler. Juste pour qu'on voit combien de temps peut durer cette game. Ce serait incroyable. Normalement, t'as plus d'interaction là, donc je pense que je peux faire ça. Ouais, c'est pas mal. T'aurais pu le faire sur ton board aussi. On serait marré. Ouais, mais non. Putain. Tu le crois si je te dis que j'ai pioché la quatrième roi ou pas? Putain, mais du coup, t'es encore là, je crois. Ah là 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 là, c'est Ah là là fou. là Ah là 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 là. Attends, du coup j'ai trouvé 4 rois, 4 druides, 3 voiles de l'été et des hokos. Je joue meule, je vais l'avoir, hein. Je l'aurai un jour. Attends. Ah ouais, t'as plus de cartes que moi en plus. Hein. Ah mon dieu, c'est difficile. Le full sell, quoi. Non mais là c'est dingue. Les top Je veux deck quoi? Tu devenir sais que un moi je fou. top deck quoi? Franchement je fais quelque chose qu'il faut pas faire je crois. Je sais pas ce que je fais. Mais Hein. je peux pas casser mon PC, c'est mon outil de travail. Là là. Take my energy, Val. Est-ce Ah, qu'on je l'a prends. gagné? Tu gagnes 6 points de vie. Tu bloques 3 créas donc ça. Ça. Donc t'es à 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Putain, non, tu meurs pas, quoi. Oh, j'en peux plus de toi, Val. Attends, je vais la chercher, là. Never surrender. Tu vas chercher la victoire? Sais pas, mais il y a bien un truc, là, qui va me faire gagner. Je sais pas. J'en ai plein le cuque. Oh, fan de cuque. Plan de cuque, c'est une Tu ville peux dans le faire. sud. Le pire, c'est que maintenant, même si j'ai un comeback, c'est trop tard. Tu fais trop de value avec Innkeeper, quoi. Il y a bien une carte qui va me sauver, Val, là. Enfin, qui va me sauver, qui va trouver l'étal. Je sais pas. Même si je trouve une Vraste, t'as une main pleine.
Faudrait que je trouve. Ouais, Krasis, que je laisse 5 mana pour trouver désinfection temporelle, rebooncer ma Krasis. Ah, t'as mis des infections temporelles du coup. Ouais, j'en ai mis Ah, une. t'es un coquin. Franchement, il y a Je sais 24 cartes, pas. tu peux trouver, hein. Mais je la piocherai jamais, mec. Genre, ça n'arrivera pas, je te le dis. C'est pas possible. Ce monde n'existe pas. Allez, go. De toute façon, j'ai un contre, donc je fais genre, mais. Alors, tiens, ça, tu vas bouffer la grosse bête là. Enfin, tu vas te faire bouffer par la grosse bête. Putain, t'imagines la bête frappée d'amour, elle a déchiqueté loi, quoi. Alors, racheter deux ailes comme ça, elle la bouffe. Alors, du coup, je prends combien? Attends, laisse-moi compter. Parce que là, du coup, je Ah, gagne bah. 6 PF, je suis à 14. J'ai un Là, je gros prends board, mais il y a 3-4. trois créatures qui attaquent, donc ça va. Ouais, c'est vrai. 3, 4, 5, 6. En vrai, c'est pas si Ah, menaçant je que vais ça, te je laisser pense. revenir parce qu'il y a Nuage 57 qui se rase la tête si tu comeback. Je vais faire. Je vais dire que j'ai plus de timer alors qu'il n'y en a pas. Mince, non! Nuage Trouverais ça 57. incroyable. Waouh! Après, peut-être c'est quelqu'un qui se rase la tête comme moi et du coup, en fait, c'est Moi, juste. Il c'est va la juste, il raser va le plus faire tôt, demain quoi. au lieu d'après-demain, quoi. Ce monde Val, j'y crois. Ce monde existe, Val, crois-y. Je vais y croire, ouais. T'inquiète pas, là. Je suis en Dans ce plein. monde qui est le mien. Je suis en pleine croyance, là. Ah, il faut croiser là. Croiser tous pour Val. Pareil, on bouffe tous les foods, les gars, parce que si on fait Mais une Krasis, manger il tout. restera plus rien du tout, quoi. On va tout manger, quoi. Non, vraiment, c'est Krasis dans désinfection temporelle. Vraiment, j'y crois à mort, c'est la chance de ma vie. Allez, vas-y, Val. Allez, vas-y. Alors, est-ce qu'on peut faire ça? Putain, s'il vous plaît. Vas-y, tu me ferais rêver. Ah, putain, est-ce que je suis mort? C'est un land encore que j'ai trouvé, Yes. évidemment. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 landes. 15 landes, c'est pas mal. En vrai, il en reste pas mal, hein. Ouais, c'est vrai. Mais bon, il reste beaucoup d'autres cartes Il très en reste actives plein d'autres, aussi. ouais. Putain, ton cimetière, en fait, si tu regardes ton cimetière, c'est tout ton CCM3 au moins du deck, il est là. Est-ce que je suis encore vivant ou pas avec un fou des deux bloquants? C'est Alors, probable, tu hein? bloques la 5-5, la 3-3, et tu es à 11. Tu 2, prends 3, 1, 2, 4, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9, ouais. Oh, je suis vivant. Je suis vivant! Incroyable! On dirait de la magie! Ah, c'était Allez, fou! cesse. Ah, je suis mort! Incroyable! On dirait de De la la magie! magie! Ah, tu sais quoi, t'as gagné cette game, laisse-moi une draw de plus, s'il te plaît. Ok, attends, je fais juste un truc, je peux, Val? Et tu l'as gagné, même si je come back, juste pour voir. Ok. Vas-y, donne tout. Ah, bah, ça, par contre, tu m'excuseras, il y a une suppression d'étincelle qui sert à rien dans ma main. Ah bah voilà, parfait. Ah bah Moi, je attends, fais du tout. coup, je vais peut-être pas tuer Loa. Je vais faire de token food maintenant que j'ai cette info. Vas-y, je te mets à 1. Ouais, mais moi pile à 1, juste je suppressionne ton Garruk quand même, faudrait Vas-y, pas vas-y. déconner non plus. Allez. Ah putain, le pire quoi. Oh, Même temps, je regardez t'ai le board, laissé il est vivre à rigolo. son tour quoi. Vas-y, mets-moi à 1, je bloque pas avec quoi. J'en avais deux autres en main. Attends, faut que tu me mettes. Ah bah parfait, tu me mets 7. Je pouvais même, si tu voulais Tricks, te mettre 11, enfin te mettre 10, et toi tu revenais. Et oui, parce que je t'ai menti, je vais créer un food. En fait, ce qui m'a fait passer à 4 points de vie, et ainsi je ne mourrai pas le tour Je prochain. suis malhonnête. Je passe mon tour. Yes, je suis à 4. Youpi. Yogi! Oh, il était une fois. C'est encore possible. On est tes amis, Yogi, rien à foutre. Oh, Krasis. Du coup, il faut que je garde 5 mana. 1, Fais-le, 2, 3, Val. 4, 5, 6, 7. Ah non, Fais-le. je peux pas éplucher Fais-le. 3 cartes, mec. Fais-le! Bah, tu peux, hein. 3, 4, Et il faut 5, en piocher 6. qu'une, elle est bonne, hein. Ouais, c'est vrai. Non, t'as raison, en fait. Hein. On va essayer, hein, en tout cas. Et vas-y, garde les bons mana, par contre. Tu essaieras. Ouais, t'inquiète. Il n'y a pas d'essai. Je concède, hein, Allez, si je trouve Val. le père. 3, 4, 5. Allez, c'est maintenant! Ouais, c'est ça, j'ai payé 7. Attention. Attends, mais t'as. Ah Do oui, non, t'as 5 mana, putain. Je suis en train de me dire, ouais, t'as mal compté, t'en manques un. it! Résolution. Et Allez! là, je contre. Je peux que deux cartes en plus.
Ah, j'ai pioché deux terrains, je te jure que c'est vrai. Vas-y, montre-les si t'es un homme. Attends, attends, on la laisse pour voir où est-ce qu'elle était, ta brasse. Ok, vas-y. Alors là, j'ai un fabuleux passage. Ah bah attends, je vais le fetcher. Je m'enlève encore Vas-y, un terrain. vas-y, Ah, je sais filtre. pas combien il me reste de terrain dans le deck. Il faut voir où est la brasse de Val. Il me reste 4 terrains dans le deck. Vraiment, littéralement 4. Ah non, 5, il me proposait pas le tombeau luxure. Hein. Et il me reste Garruk, Oko, Méchant Loup. Il me reste 4 Méchants Loups, 3 Nissa, 3 Krasis, 1 Garruk et 2 Emprises délétères dans le deck, strictement. T'imagines? Un Garruk, un Oko, 4 Méchants Loups, une Vrasse, 3 Krasis, 3 Nissa. Que des belles cartes. Il me reste que ça dans le deck, gros, je te jure que c'est vrai. C'est fou. Non, vas-y, on va la concéder. On va libérer les viewers, là, ou alors on va faire Oui. un autre gameplay, quoi. Oui. Eh ben, bien joué, écoute. Ah, j'ai proposé un. Ah, bien joué. Oh non, je voulais te tuer. Oh, Ah, méchant. pardon, excuse-moi. Eh ben, désolé. C'est pas grave. PL attaque seulement avec ton. Ah, seulement avec tout ton board. J'ai cru que vous me disiez attaque seulement avec tout ton board. Eh ben, N'attaque qu'avec toutes félicitations tes pour créatures. ce 2-0 bien trop facile. Un Je me double suis de fait zéro, bah beaucoup plus, quoi. écoute, tu m'en as mis quelques-uns, deux je crois, de double de zéro, donc c'est un juste retour. C'est une belle vengeance. Ah, c'est une belle vengeance, félicitations à toi, et je suis content, et ça ne m'aide pas du tout parce que j'ai aimé mes deux decks. Et le deuxième, bah j'ai pas trop testé, donc c'est les meilleurs decks. Val, ton deck, c'est comme un Orangina. La pulpe, c'est la value. Faut pas hésiter à la secouer. Mais ouais, j'avoue, je suis fou, quoi. Alors j'ai un défi extrêmement rigolo à vous proposer pour finir cette soirée, et là je vais vous faire Quoi? voter. Tu m'as dit? Merci beaucoup Voilà SMR pour ton 10 un euros. petit canis. Merci beaucoup. Il fallait le tuer Pour là ce pour bon libérer mois le d'ailleurs, merci. barrage. Oui, donc je vais essayer de recevoir bien sûr le gagnant. Et j'ai un petit défi, ce dont je t'ai parlé Val, si ça te dit de le tester ce Ah, soir. je suis trop chaud là. Avec toute la chance que j'ai perdue, je ne peux que être bon à ce. Vous allez voir, ça va vous plaire, c'est Madine Valley PL encore une fois. Bah tu sais quoi, Donc leur explique pas, juste fais ce qui va se passer. C'est ouais. fais Ah ouais, comme l'interaction ça ils et. vont en trouver ça incroyable. Voilà, Et exactement. bien sûr Donc direct. une seule manche gagnante, hein. Sultai Yoko, ouais. Tiens, prends Sultai Yoko si tu l'as, on fait un mirror. Je dois l'avoir, la version de croquet. Ouais, Ouais. c'est bon, je l'ai. Allez, vas-y, let's go, C'est super. parti. Vous allez voir, c'est formidable. T'as changé en BO1. J'ai mis en B1, ouais. Le premier qui casse Toko gagne. Oh, comment tu sais? Non, nul. Vous allez Vous voir, allez c'est voir, formidable. ça va Ça, être très très rigolo. concept trouvé à 2 h du matin hier soir. Et regardez. Incroyable. Ah, qu'est-ce qui se passe là? J'espère que vous avez trouvé ça cool. Oh, il n'y a que des belles mains en plus. Parce que si vous ne trouvez pas ça cool, c'est dommage. Bon, on le refera plus jamais. On s'est dit, ça c'est très bien pour finir les soirées. Là, les gens se disent, mais ils sont fous. Hop là, remettez cette carte dans le paquet, pas de problème. On fait un mulligan à Et là, zéro. on va voir qui a le plus de talent au top deck. Et là, voilà, c'est un duel de top deck. On joue qu'avec la carte du dessus, du coup. Ah, par contre, fais gaffe, remets-les dans le bon ordre, hein, les Il y cartes. a un intérêt. Ah oui, parce que toutes celles que tu bottom, tu veux peut-être les revoir quand même. Ouais. Attends, vas-y, voilà. Eh ben c'est parti, bonne chance à toi. Du coup, toutes les cartes que t'as mis en dessous, moi je sais ce que j'ai mis, et il y a des cartes que j'aurais voulu avoir, quoi. Ouais. Ah ben moi, il y avait pas mal de mains de départ qui étaient sympas. Non mais c'est surtout les 7 que t'as mis en dessous, Hop tant que là, tu ça me lances pas. dégage. Non, c'est Ah très oui, court toi qu'ils t'as ont pas de dit. tour 1 du coup. C'est nul de commencer en fait. Hop là, pioche à toi. Ça c'est bidon. Ah, je trouve ça Yes, regarde. formidable. Need for Skill, un rappel, si jamais. Oh yes! Si jamais Bien tu es joué quelque ça. part, n'hésite pas à te manifester. C'est un format Menguchi. Ah, moi je suis bon là, je cumule mes terrains. Alors je Oh là fetch là là pas là pour là me faire là! plaisir. Je fais une dash! Mais j'ai des plays actifs! Oh putain, je suis le boss, regarde. Mais non! Mais putain, il est trop fort! Mon Je suis Dieu. du père. Il trouve un play, c'est fini. Oh! Oh! Oh. Oh! Oh. Oh! Val va faire au côté 3, t'imagines? Oh! Oh! Quoi? Oh! Putain, le mec est trop Oh, fort. c'est du Le play mec est trop ça! fort. C'est du play! Alors attends. C'est du play-play. C'est Je du me laisse le play! droit de piocher au co, hein, quand même. Là, je fais des dingueries. Hein. Oh là là. Tu pioches Choco, t'es le best. Oh! C'est pas vrai. J'ai regardé deux filles de ta cam pour voir si tu réagissais. Allez. Regarde ça. Ah mais vas-y gros, vas-y s'abuser. Non mais what? Non mais c'est pas possible. Me dis pas que t'es en prise délétère, je chiale.
T'es tombé dans mon piège, Ah Guy. putain! Je C'est quoi chiale! cette game? Ça n'a aucun sens. Merde! Quoi? Allez, je vais me refaire, les mecs. Mec, c'est fou ce qui se Putain, je me passe. refais pas du tout! Ah, je Un donne tout rossement là. au BO3 dans Clairement. ce format. Non, c'est à mon Mais parce que tour. là, on vous le présente en avant-première. Mais Mais si on ça va tenait, créer on des refera. decks exprès pour le BO1. Oh la Crasis! Le BO1 top deck, et ça va être incroyable. Oh putain! Allez, t'es pas prêt, Val. Allez! Nissa? Mais non, t'es le pire. Allez! T'es le pire. Mais tu peux pas battre Nissa, c'est pas possible. Allez, on Voilà, tu viens de détape. gagner. Une île. Nani? Nani, Nani Cro! Nani Cro Mandator! Mais tu sais que dans cette situation, j'ai juste perdu en fait. Zawardo! Stop time! Les meilleures Eh sorties ben de la c'est soirée. Je comprends mieux pourquoi tu voulais jouer l'autre deck. Eh ouais, j'avais mono red de monter, c'est ça que je voulais prendre. J'ai cadet drop 1 et alors. 2. C'est ta soirée, puis Ouais. elle fonce. Nani! Ah, et Krasis à 3, hein, il y a du challenge. Il y a du Ah, j'ai level, hein. pioché Krasis, Val, je te mets au fond. Ah, franchement, j'avoue, là, T'aurais t'es le trop dem. fort, si je crois. Sur le démon, le démon, le démon. Bah, par contre, là, gros, j'ai le démon déjà. Sur les Hey, je bite interactions que d'armes, t'as, moi. quoi. Alors, quand même, pas pousser mémé dans les orties, quoi. Allez, j'y mets tout. Ah, bah ouais, tu m'étonnes. Je vous ai dit que ça durerait pas longtemps. Tu m'étonnes qu'il met tout le En fait, coco, là, on le gros. passe, au lieu de faire un début de Gros, gros. game, on attend juste. Ah, les mecs, il y a eu deux emprises, quoi. Ça Non, 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 mais non, mais mec, t'as fait Nissa tour 4 en mulligan à 0. Genre, juste, on parlera pas Juste de ça. tais-toi, en fait. Non, j'ai pas fait tour 4, j'ai dû la faire un peu plus tard. J'ai loupé de Ouais, land drop. pas beaucoup plus, quoi. Franchement, j'ai loupé de land drop, c'est pas possible Bah, que. tour 5, quoi. Oh là là. Olé, olé, Incroyable. olé, 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 olé. olé, 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 olé. Merci, Mizikaze. Allez, Loak est top deck, c'est nul. C'est pas assez. C'est plus ce que tu veux, quoi. En vrai, c'est un land plus, quoi, dans ce format. Mec, c'était tellement rapide, on peut même en relancer une, je pense. Est-ce Mais qu'il y c'est a bien, Need en for fait, dès qu'il y a un Skill? mec qui a un power play, il gagne, en fait. Il est nul, ce deck. Oh, je te défonce, gros. Oh, je suis trop bien. Bon, j'avoue, je suis pas si bien, mais on fait des trucs, quoi. Ah bah non, je suis mort. Attends, non, 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 je suis pas mort. Bah, je vais top deck et t'es mort, Incroyable. voilà. Oui, tu top deck et je suis mort, mais... Ah, je sais pas ce qu'il faut que je fasse. Je suis perdu. Je suis obligé de péter un land en fait. Et si je fais ça, j'ai un bloc avec mon noix sur ton 3-3 et je prends que 2. Ouais, c'est le play. Si Oh je là là. détape, je. Je suis pas bien là. Si je détape, je tiens le board. Hein. Attention. Attention. Là, c'est emprise All in délétère on ou rien. turn. Draw. Yes. Je suis obligé de faire un play nul. Ouais, en fait, je suis obligé de faire le play de la survie, quoi. Alors. Ouais. Bon, maintenant, t'as plus de phase d'attaque. On va le voir comme ça. On va voir le bon côté. Je crie au scandale. Le pire, c'est qu'il y a vraiment une game. C'est ça qui est ouf. Il y a une méta du top deck. Hein. Alors, est-ce que ça monte? Ouais, ça monte, hein. Putain, je pioche que des landes. Donnez-moi autre chose. Là, j'ai plein de mana, là, maintenant. C'est bon, j'en ai assez là. Ouais. Surtout que toi, t'as une carte chère dans la main, là. Je le sens, je le vois, là. T'as 6 mana, là. Tu vas me faire une Krasis. C'est la fin du monde, quoi. Non, toujours pas. T'as un play réactif, alors? Ouais, t'aurais tué méchant loup, je pense. Bah oui, parce que tu gagnes sur un play réactif. Ah, je crois que c'est fini. Je crois que c'est fini. Ouais, la Krasis. Ok, je peux faire Krasis et vivre. Non, je ferai land et je décède. Bien joué. Yes! Bien joué! C'est pas ma soirée, hein. Ah, tu sais quoi, je te Là pique une là. revanche, là. Allez, non, je vais voir si la personne est revenue et sinon je tire quelqu'un d'autre.
Parce que si on doit réattendre que, parce que quelqu'un d'autre est parti. Non, non. Ok, et bah écoute, Ouais, c'est main parti. d'outil, les MPL du format, ouais. La revanche. Ah, mais attends, mais je suis con. Vas-y, revanche et je fais un truc qui va me faire gagner obligatoirement. Ah ouais? Ouais, t'inquiète, j'ai un play. J'ai un serpent dans ma botte. Non, j'ai un tour dans ma botte. Tu veux me faire commencer pour avoir une draw? Déjà, si on me propose de commencer, je vais te faire commencer, déjà. Mais mieux que ça. Elle met le jeu en italien. Oh, elle est formidable. Trop tard, c'est mon play! Ah merde! Ah bah on peut le On me l'a faire tous dit. les deux. Attends, je le mets dans une autre langue. Il y a deux nations qui vont s'affronter. Merci beaucoup à Samir pour le don de 5 euros. Voilà un petit Incroyable conseil que cadis. n'arrêtez jamais. Il fallait le tuer là Je pour le mets dans lui-même quelle aller langue, la les viewers? vendre. En allemand? Il y a quelqu'un dans le chat qui a dit le play, Ouais. c'est que Val garde une main à 7. Je mets en allemand. Allemagne-Italie. Bon match Ça aurait été ça. tellement drôle que je garde une main à 7 contre une main à 0. Incroyable. Le pire gars, tu sais. Ah, les gens veulent russe, pardon. Et je mets en russe alors. Putain, tu vas en chier pour lire les cartes, hein. Oula. Ah ouais, on est sur un alphabet. Ah, c'est pas le même. Ah, c'est pas le même du tout, quoi. Mais pas du tout. Putain, les mecs partent en stream, ils font nimp. Allez, regardez comme je balance les cartes là, y'a rien à foutre. Allez, laissez-moi piocher. J'ai pas vu qui commençait, je crois que c'est moi qui avais le choix et que j'ai commencé. Oh, ouais, je crois. Et j'ai fait de la merde. Ah non, si je pioche land. Ah bah non, ça change rien. De toute façon. Bon, j'ai encore bottom quelques bonnes cartes. Si, du coup, en fait, celui qui commence, c'est l'autre. Écoute, voilà. Bah du coup je peux pas vous Ah, lire t'es les cartes bon. pour vous faire rire avec ma mauvaise prononciation. La pozza prolifica. Allez, on va fetcher, on veut commencer à trouver des actifs. Parce que trois Le landes mec qui trouve d'affilée, c'est trois landes sympa quand quoi. même. Ah, j'avoue. Ah Dans celle-là le elle est pour format, toi Val. c'est probable. Ah peut-être pas Disons en que là, t'es fait. out tempo là. Ah mais j'ai un play gagnant dans la main. Ah, mais je crois, mec, que j'ai un problème sur le jeu. Là, j'ai que des landes dans mes decks. Bon, c'est pas mal, ça, quand même. C'est dégueu, je peux rien prendre quoi, à part ça quoi. Enfin, je peux prendre tout, Ouh! mais. Mulligan à 0, il faut qu'au tour 4. Ah ben là c'est gagné, je pense. Étonnamment. C'est quoi, Val? J'ai pas compris. Putain, il faut qu'au tour 3. Il est pire. Non, tu fais qu'au tour 4 aussi. C'est pire! J'adore. J'adore. Tu veux ton PC, ma biche? Je peux te le rendre dans 10 minutes, c'est fini. Je te remercie. Je l'éclate et je te le rends. Non, je me suis pris de sale fessée ce soir. Salut Dodo. Ouais. Bah oui, on stream. Bah oui. Ok. Alors. Alors. Oh, c'est des losing plays tout ça là. Ouais. Après, moi, je pioche que des landes, donc. Donc Ah, bon. je crois que c'est et attaque en russe, le pas d'attaque. Comme ça. Oh là là, il est bon. Allez pour toi celle-là, Val. Ah, je sais pas, hein, tu sais, tu peux faire Nissa, sorti de nulle part. On sait pas. En Manque tout des cas, landes franchement, là. ça fait des vrais games pour un mulligan à zéro, quand même. Ouais, voilà la Enfin, vraie des vrais game. games. On se comprend. Allez. J'avoue, là, c'est. Oh! Putain, il y a une bonne Oh carte. bah c'est bien ça. Sentiero di Bricole. C'est le Sentiero di Bricole. Là les gens arrivent sur ce stream et disent mais pourquoi Mais que font-ils? qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ils ont encore 52 cartes dans la bibliothèque? Pourquoi il y a un Oko en russe contre un Oko visiblement Oko. en russe aussi mais qui est en italien? Oh. Il est en russe pour vous, mais. Ah, passer c'est hack. Mais ça l'a pas se prononcé comme ça. Putain, tu fais de la value et tout, mais je suis du père là. Ouais, là je suis bien. Wow. Resolve. Ah, c'est Resolve. Pour résoudre, c'est Resolve.
En vrai, ouais, Un je te tournant la du concède. draft. Je vais te laisser me tuer, mais j'ai Denis en main, là. Ah, t'as deux. Bah attends, tu peux les jouer le tour d'après, hein. Ah non, je suis con, je vais te piquer ta tournoi. Bah, tu peux me piquer l'oie, même si tu le faisais pas, de toute façon, t'avais un look que je gérais pas, etc., quoi. Tu sais ce qu'on me propose sur le top de mon deck? On me propose Oko ou Oko? Bah Oko. Félicitations. Putain, on va finir sur toi qui gagne la bagarre de top deck. Je trouve que c'est une belle revanche sur la vie. Ouais, c'est une revanche sur les games de ce soir. Alors. J'ai passé le stade de l'incompréhension, je vous avoue, je me laisse porter par la folie. Mais t'as raison, Graveler Nico, c'est comme ça qu'il faut faire. Vous voulez ramener les bottes russes. Le stream trilingue. Par contre, je sais pas pourquoi l'oie d'or commence par un 3. Moi, au cas des Ah, holo. parce que ça se dit 3 d'or en fait. J'aurais dû plus un le loup, ouais, bon. Change pas grand chose. Ouais, je pense qu'à ce niveau-là, il n'y a pas de bon play, quoi. Il y a juste des bonnes pioches. Ah, en vrai, là, j'ai un top deck qui me met pas mal. Ouais, je crois qu'il faut être extrêmement véhément et agressif. Du coup, il faut être agrément. Ah, non, il n'y aura pas de tirage pour moi, du coup, Blackburn. Aïe 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 aïe. Dommage, avec ces deux Nissan en main, ça aurait été très bien de la jouer plus tard Ah celle-là. ouais, de faire Nissa dans Kradis, j'avoue. Putain, on a tous les deux fait Oko tour 4, ça n'a quand même aucun sens, quoi. Ouais, vraiment il y a un problème, on va dire à Wizard, même dans l'autre format imaginaire qui est la bataille de top deck, Oko est un problème. Là il a clos la game tout seul. Bon, le loup a bien aidé, mais. Tiens, j'aime pas les foudres, en fait. Tu me donnes des pèves, tu veux que je survive, vol? Pas de problème. Plus de top deck. Allez, pan. Paf. Ah, les C'est vrai trois qu'on sont des risque ZA sur d'attirer les les mêmes, bottes les B russes, sont hein, des V, faut les P faire sont des attention. R. D'accord. Russe-moi si tu peux. Et je suis encore là, Resolve. les gars. Je lâche rien. Resolve, oui. Ok. Tu peux gagner. Putain, tu gagnes. T'es à 9 là. Hein. Ça va, hein? Tu peux même attaquer, c'est gratuit. C'est dingue ça. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui se passe ici? Hop là, j'ai mis un coup dans le bout de câble. À samedi, Vlad Nosferatu. Merci, Sombros. Des coques. Ah, mais t'as le Trail of Crumbs qui tourne, tu gagnes des PV, tu pioches des cartes, c'est dur là. Oh, tiens, Garruk, viens là. Ah bah voilà. Franchement, j'avais espoir là. Je me dis, ouais, je suis haut en PV. Derrière, je peux rejoindre Nissar, gagner des PV. Mais non. Là, t'es à 9 si j'attaque C'est avec quoi? Je t'ai Bob. laissé vivre. Là. Laisse-moi vivre, Val. Je te laisse vivre? Sois Ouais, mais fair un attends, peu. je fais tout pour gagner quand même. Je te laisse vivre, mais pas trop, Non, ça te vas-y, va? vas-y. Achève-moi. Hop là. Marguerite. Ah bah, mais j'ai mort. Je suis mort. Allez, je te laisse me tuer. Ah bah, non, je suis pas mort si tu fais ça. Non, mais je te laisse des tours, mais juste je set up un board. S'il te plaît, venir. Est-ce que je peux faire une remontade? Oh, quoique non, attends. Tadam! Margheriti. Ça n'a aucun sens ce qu'on fait. Mais vraiment, hein, je suis en train de prendre du recul sur la situation. Oh là là, Et le play, Val. Le play, c'est next level, là. dégager en prise délétère sur Garruk. Ah oh, putain, je concède quoi. Ouais, ça va. Oh, je survis. Oh. GG. Six câbliades, Yes, comme on dit. ouais, youpi! J'ai gagné le 7ème Rose, moi. Oh, la victoire, c'est Vittoria. Ah, j'ai pas vu, moi. Ça doit être défaite ski. Du fait de ski. Ah, où est le français là? J'ai envie de dire, il est là. Yes. Allez, C'est bon, je reviens. comprends ce qui se passe. C'est là où on se rend compte vraiment que si on voyage un peu trop loin, on n'est plus là quoi. Mais plus là du tout. Non, non, pas du tout. Encore si, ils doivent parler anglais, les Russes. Bah tout le monde parle anglais, c'est la force. C'est Ah, la en force de l'anglais. Asie, plus dur.
Oui, alors en Asie, ils kiffent pas des masses. Ils font de la Et résistance. je pense que ça dépend des pays. Après, enfin, je connais pas tous les pays d'Asie, mais effectivement, au Japon, l'anglais, c'est pas trop leur bail de base, quoi. Voilà. Bah écoutez, ça conclut cette petite soirée tranquillou là. Merci beaucoup Ouais. à tous ceux qui sont venus nous voir comme d'habitude, vous étiez plus de 500. C'était bien rigolo. C'était bien rigolo. Et Félicitations pour l'enrossage en bonne et due forme, merci. quand même. Et Il du faut le coup, souligner. je sais pas du tout ce que je joue parce que j'avais prédit un rossage, enfin Volk allait me rosser, et du coup je me suis dit bon bah c'est bon, je joue Sulta Yoko, c'est des questions nulles. Mais là le Golgari il me plaît beaucoup. Il faut que j'envoie les DL demain matin, je crois, Ouais, à je Magic sais. Bazar. Je Donc, sais, je sais. prends la nuit de réflexion et on en parle demain. Ouais, je joue qu'en top deck. Sinon, ouais, je prends n'importe quel deck et je me ligue à zéro et je regarde le mec en face. Et ça fait comme dans les Coup mangas. GP, tu fais Il est bon gars. déstabilisé et du coup, le mec fait une crise cardiaque et voilà, victoire. Et je fais jour 2 comme ça. Mais s'il y en a un qui a les nerfs solides, ouais, je suis perdu. Est-ce que Faut que tu je peux affronte. faire Oko Si, le tour bot 2 a en marché mulligan? d'abord. De quoi? Oko tour 2 en mulligan à 0? Non, tu peux pas, c'est impossible. Non, parce qu'il te faut deux plays tour 1. Et deux plays Ouais, tour 2. donc Enfin, deux cartes tour 1, deux cartes tour 2. ouais, c'est pas possible. En mulligan à 3, tu peux. On Il te va faut essayer. Oko ou un land et top deck un land. Ou top deck, enfin une des cartes qui te manque. Ça va. Voilà. Eh bien écoutez, on vous fait des gros Merci à bisous. tous. On vous fait d'énormes bisous. Et puis surtout, n'oubliez pas, c'était de la belle C'était magie. de la belle Ciao, magie. ciao, restez pour les Ciao, plus. bye bye. Bisous.